Hello, coucou, salut Anaïs, bisous de début de live, je ne reste pas, mais bonne soirée à vous tous et ben merci d'être passé faire un coucou. Alors, à un moment, il faudra que j'essaie de trouver pour avoir plus de surface d'écran parce que là, quand je mets deux trucs, c'est pas terrible. On voit pas grand chose. Alors, je vous remets le lien du Discord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore grand monde d'arriver. Ah, ça y est, je vois du monde qui arrive. Alors du coup, je ne sais pas Céline si elle est déjà arrivée, elle a dit qu'elle allait passer ce soir. Et on avait dit qu'on ferait un petit point vite fait sur le début du tuto parce que bah il y en a peut-être qui vont venir ce soir qui n'ont pas suivi le début, donc on va refaire un petit point. Rapidos. Ah bah, voilà Nathanaël qui vient de nous rejoindre. Comme ça, si j'y ai pensé trop tard pour la semaine dernière. Ça aurait pu être une solution que tu viennes sur le vocal pour m'aider. Mais bon, un petit peu lente à la détente, c'est pas grave. Salut, ça va? Bon, normalement, ce soir, il n'y a pas de problème technique, il n'y a plus de trucs à installer, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Alors, pour ma petite tisane, ma mère. On va peut-être se mettre une petite ambiance. Je vais faire une petite recherche rapide pour mettre un petit fond sonore. Si jamais c'est trop fort ou pas assez. C'est histoire d'avoir une petite ambiance, hein. Ah, t'aurais pas pu venir en vocal. Bon, bah alors comme ça, il n'y a pas de regret à avoir. Alors, on va pouvoir y aller. Je sais pas si on a. Si on a du monde. J'ai l'impression que pour l'instant on n'est que tous les deux. C'est pas grave, on va y aller de toute façon. Ben, du coup, s'il n'y a pas de monde, je vais pas refaire le point sur le début. J'aurais peut-être dû le refaire pour moi pour
me rafraîchir un peu la mémoire, mais bon, tant pis, on va y aller comme ça. Ça bip sur le Discord. C'était pas pour nous. Alors, écrire une fiction interactive avec Inform 7 partie 3, un jeu complet. Une vraie histoire. Nous sommes à présent capables de créer un petit monde réagissant aux actions du joueur. Mais nous n'avons pas encore de fil conducteur pour le motiver. Il est toujours bien d'élaborer au moins un scénario qui contiendra les actions les plus importantes que le joueur devra effectuer. Voici dans les grandes lignes ce que nous allons faire. Le héros, c'est-à-dire le joueur, est le prince de Perse, le fameux Prince of Persia. Il arrive dans une oasis entourée de déserts et s'apprête à entrer dans une crypte ancienne contenant un cimetière mythique nommé le Shamshir. Lorsqu'il pénètre dans la crypte, la porte se referme et le seul moyen de sortir est de fouiller les murs jusqu'à trouver une encoche servant d'interrupteur pour ouvrir la porte. Lorsque celle-ci s'ouvre, un div, démon persan, apparaît. Le héros doit s'en débarrasser avec son arme nouvellement acquise. Une fois que cela est fait, il peut repartir, mais pas à dos du dromadaire qui se trouve dans l'oasis. Il doit trouver son cheval, ce qui convient mieux à sa lignée. Le jeu peut alors se terminer avec une victoire. Ok. Alors, quelques conseils d'organisation. Alors, les entêtes. Il est possible d'utiliser des entêtes dans sa source qui permettent de la séparer et de l'organiser. Un entête est une ligne qui commence par le mot volume, book, part, chapter ou section en ordre d'importance. La numérotation et le titre ne sont pas importants, mais un entête volume englobera tous les entêtes de niveau inférieur et ainsi de suite. Rien ne vous force à tous les utiliser ou même à les utiliser tout court, mais l'organisation de la source est importante. Ok, donc vaut mieux écrire quand même dans l'ordre. Ordonner sa source. Voici une façon d'organiser son code. Une section qui inclut toutes les extensions nécessaires et qui fait les initialisations requises par le jeu. Une section pour les règles générales que nous voulons ajouter. Et enfin une section par endroit. Ah oui! Avec des sous-sections pour chaque objet si nécessaire. Donc une section qui va agir sur l'ensemble du jeu. Enfin, les deux premières, du coup, vont agir sur l'ensemble du jeu et ensuite des sections plus précises pour plus ciblées pour les différents endroits et les différents objets. Bien évidemment, ce modèle est à adapter en fonction du jeu et des besoins et rien ne vous force à le suivre. Voici une suggestion d'organisation pour notre premier jeu, Part 1, configuration et initialisation générale. Chapter 1, les extensions. Chapter 2, la propriété mort. Chapter 3, les objets initialement hors jeu. Part 2, les objets et les lieux. Chapter 1, l'oasis. Chapter 2, la crypte. Part 3, les scènes. Chapter 1, enfermé. Chapter 2, bataille. Part 4, test. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore ce que certaines sections vont contenir. Nous verrons cela au fur et à mesure de l'écriture de notre code. Ok. Créons notre jeu. Bah oui, on est là pour ça. Nous pouvons enfin commencer à créer notre fiction interactive. Chacun de ces éléments seront décrits en détail dans les sections suivantes.
et les nouvelles notions nécessaires à l'élaboration du jeu seront expliquées. De plus, chaque section contiendra un exemple de code possible pour arriver à nos fins. Il est recommandé d'essayer d'implanter seul ce qui est demandé à chaque section avant de regarder le code correspondant. Ouh, c'est vilain ça. Enfin, sauvegarder et tester souvent votre jeu. Il est plus facile de trouver une erreur si vous testez après chaque fonctionnalité implantée. Si vous le testez à la toute fin, il y a d'énormes chances que vous vous retrouvez avec une... que vous vous retrouviez avec une montagne d'erreurs d'un coup à résoudre. Ouais, et puis alors pour les retrouver, c'est sûr que si on vient d'ajouter une ligne et que ça buguait pas avant, c'est plus simple de savoir que c'est forcément dans la ligne qu'on vient de faire. Commençons par le commencement. Tout d'abord, incluons les extensions nécessaires. Alors, ça, on ne l'avait pas déjà mis? Je compare avec ce qu'on avait. Ah bah oui, non, par toi, non, on ne l'avait pas mis. Il faut qu'on rajoute ça. Après, on est bon, on est tout pareil. Alors, à l'oasis, concentrons-nous maintenant sur le chapitre important sur l'oasis. Nous afficherons une petite introduction qui explique la situation initiale au joueur et nous créerons l'oasis. When play begins, dire bienvenue aventurier, vous êtes le prince de Perse et au cours d'une partie de chasse dans la forêt, votre cheval vous a désarçonné. Vous avez alors erré à sa recherche jusqu'à atteindre une oasis. L'oasis F est un endroit, donc ça on avait vu la dernière fois. On précise F juste parce que c'est le déterminant est neutre. Enfin, du coup, le genre n'apparaît pas. Donc il faut le préciser. Et pour qu'il sache que le mot oasis est. Enfin, que le L apostrophe fait pas partie du mot oasis, il faut caser une espace avant. Si c'était la forêt, il n'y aurait pas besoin de préciser féminin. C'est. Tout ce qui va apparaître en jeu, si je me souviens bien, c'est entre guillemets. C'était une belle oasis ensoleillée, mais maintenant le soleil va déclinant. Il y a le désert tout autour d'ici, à l'exception d'une forêt à l'est. Au sud descend un chemin en direction d'une crypte. La forêt n'est pas sûre en fin de journée. Il est judicieux d'indiquer les directions dans lesquelles le joueur pourra aller. Dans les descriptions des endroits, sans cela, il serait perdu et ne saurait pas trop quoi faire, ne l'oubliez pas. Implantons maintenant le dromadaire. Bon, ça, je pense que c'est un truc qui a été modifié. Donc, je vais le remettre. When play begins. Tiens, bonjour. C'était là. L'oasis est un endroit. On va pas le. On l'a là deux fois, donc ça sert à rien, on va l'enlever. Donc là, ce qu'on a là en vert entre crochets, c'est, je le redis pour rappel, c'est les commentaires dans le code. Donc ça apparaît pas dans le jeu, c'est juste pour la personne qui passe là-dessus. Pardon.
Implantons maintenant le dromadaire. Il faut qu'il soit un animal. Bon, on l'avait déjà mis en fait. Un message approprié doit être affiché et l'action doit être stoppée si le joueur tente de grimper sur le dromadaire. Le dromadaire tue le joueur si celui-ci l'attaque. Ouh. Alors, nous voulons aussi que le message lorsque le joueur essaie de grimper sur le dromadaire change si le cheval n'est pas encore arrivé. Par exemple, instead of climbing or entering le dromadaire, dire, vous, un prince, n'oseriez certainement pas retourner à votre palais à dos de dromadaire. Si le cheval n'est pas dans l'oasis, mais où est donc votre cheval? Puisque la condition mentionne le cheval, il faut que le cheval soit créé quelque part dans le code pour que le jeu fonctionne. Pour terminer la partie, il faut utiliser l'une de ces instructions. Si le joueur a perdu ou qu'il s'agit d'une mauvaise fin, fin de l'histoire en disant vous êtes mort. Si le joueur a gagné ou qu'il s'agit de la vraie fin, fin définitive de l'histoire en disant vous avez gagné. Le message est à adapter en fonction de ce qu'il s'est passé dans le jeu. Voici le résultat final pour le dromadaire. Donc normalement, il ne faut pas qu'on regarde tout de suite. Bonne nuit. À demain. Alors, implantons le dromadaire. On avait déjà mis quelque chose pour le dromadaire. Le dromadaire est un animal dans l'oasis, on avait mis ici. Du coup, moi j'ai envie de le déplacer parce qu'ici il me gêne. Ça me plairait mieux que ce soit dans l'ordre. Donc ça, on a déjà mis. Le dromadaire est un animal. Un message approprié doit être affiché et l'action doit être stoppée si le joueur tente de grimper sur le dromadaire. Chut, à demain, chérie, bonne nuit. Alors, bah là, il est là le message, donc on va pas s'embêter, on va juste copier. Le dromadaire tue le joueur si celui-ci attaque. Alors là, il faudrait que je revienne dans le tuto parce que je saurais déjà pu le faire. Alors, les choses, les propriétés, les synonymes, les règles. Là, c'était plutôt une règle if, on n'a pas ça. C'était dans quoi if? C'était là les conditions. Alors, comment on faisait les conditions? Ah bah on peut le mettre en français du coup. Si. Le player. Moi, je vais tester. Donc là, on va déjà compiler ça pour voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui me dit que ça va pas? Alors, je vais afficher ici.
Eh ben oui, ben on l'a pas encore dit si le cheval n'est pas dans l'oasis. On n'a pas encore créé le cheval. On va créer le cheval. Ah bah voilà. Ah, ça marche. C'est parce que c'était. Ben oui, il avait dit dans le tuto, hein, que ça marchait pas si on créait pas le cheval. Donc le cheval est créé, ça marche. Le jeu, pour l'instant, il marche. Oh bah ça apparaît plus. Mince. Ça m'énerve ça. Pourquoi les fenêtres d'un coup elles disparaissent? Alors, on en était où? On voulait dire. Moi, j'aurais resté dans le coin du dromadaire. Je pense que quand je m'y mettrai vraiment, je me ferai des commentaires partout pour bien tout. Genre ici, je m'occupe du dromadaire, ici, je m'occupe du cheval, pour bien tout retrouver au bon endroit. Alors, on a dit, si le joueur c'était je suis pas sur la bonne fenêtre. Eh ben non, peut-être qu'il faut mettre directement le verbe. Si. Alors, commencer la condition par si, ne pas oublier les deux points. Il est possible de tester plusieurs conditions en même temps. Écrire une instruction. Ouais, mais c'est pas. Ah non, là, c'est instead qu'il faut mettre. Instead of. Attaquons le dromadaire. Donc là, il faudrait mettre deux points. Ensuite, écrire une instruction par ligne sous le si. Ah oui, mais non, on n'est pas dans le si, on est dans le instead. L'autre est suivi d'un point virgule, la dernière est suivie d'un point, d'indenté avec les tabulations. Et donc là, il faudrait qu'on affiche. Fin de l'histoire en disant vous êtes mort. Donc, qu'est-ce que je peux écrire si le joueur a attaqué? Si le joueur a attaqué, et ça, il va le comprendre, le truc? Je vais devoir tricher pour voir, parce que ça se trouve, là, je pars sur instead, alors qu'avec if, c'est suffisant. Ah! Alors, attends,
parce que je pense que si je suis dans le... Si on fait le vocal, il va falloir que je coupe le micro. Alors... Hello? Alors attends, faut que je monte le son parce que j'entends rien. Voilà, j'ai monté le son. Et faut que je pense que je coupe le micro. Non, ça va, il n'y a pas d'écho. Non, mais j'entends les deux en même temps parce que j'entends le retard Ah oui, il faut que tu du coupes le live. son du live du coup. Donc non, c'est ben, comme tu mets instead of attacking, c'est déjà ça prend déjà en compte que le joueur va l'attaquer, donc tu peux juste mettre un message comme dire quelque chose. D'accord, donc Comme ça. on n'a pas de condition à tester, ouais. Ouais, mais du coup, ça va. Je peux. Parce que là, je voulais faire le. Ce qui était donc sur le tuto, faire le game over s'il attaque. Ah Ouais, bah ça, oui. tu mets juste fin de l'histoire. Comme Donc. la règle du set va se passer quand le dromadaire, quand le joueur va attaquer le dromadaire, D'accord. donc ben, ça Donc. met juste fin d'histoire, mettons. Donc là, je mets Et dire. après, ouais, le dromadaire, comme tu donnes un coup de sabot, puis après fin d'histoire. Ouais, tout à fait. Dire le dromadaire vous rend coup pour coup et vous terrasse, un truc comme ça. Cela. Game over, ça faut que je le mette à la ligne. Oui, Dire. parce que plus la ligne est une autre instruction au fin d'histoire en disant get more, si tu veux. Dire game over et pour que le jeu il soit bien terminé, il y a un truc à. Et le fin de l'histoire en disant. Ah, fin de l'histoire. Fin de l'histoire en disant ok. Là j'ai oublié le point. Il y a un point virgule. La fin de chaque instruction, puis la Et dernière, là, un c'est un point. point. Donc là, on serait bon. On va tester. Donc, ouais, j'ai beaucoup de retard, mon internet est pas terrible, donc Discord est plus rapide que Twitch, du coup. Oui, bah du coup, il y a toujours un lag entre le live et Ouais, c'est le ça. temps Et réel. en particulier, mon internet est pas terrible. Donc. Ben, le dire game over, t'es pas obligé parce que ce sera le fin. Ah Enfin, de toute oui. façon, c'est juste que je suis en retard. Juste... Juste fin de l'histoire alors. En disant vous êtes mort, game over, ce que tu veux. Ah bah c'est ce que j'ai mis. Ben, écris ce que tu veux, ouais, ben, c'est juste que je suis en retard sur le. Ah! Donc du coup, je vais mettre le. Hop. Story. Voilà. Alors je vais tenter attaque qui le dromadaire. On l'a tellement maltraité qu'il se venge. Voilà. Donc ça marche. Le dromadaire vous rend coup pour coup et vous terrasse. Game over. Voulez-vous recommencer, charger une partie, sauvegarder, quitter ou annuler la dernière commande? Ah! Grosse triche. On peut annuler la dernière commande, c'est cool ça. Alors, ensuite. J'en étais où? Donc ça, on a fait. Nous voulons aussi que le message, lorsque le joueur essaie de grimper sur le dromadaire, bah ça, il est déjà écrit. Je sais pas si j'ai déjà pas déjà collé. On revient sur le code. Oui, ça, je l'ai déjà collé. La condition mentionne le cheval. Il faut que le cheval soit créé. Donc ça, c'est bon.
On a fait le cheval. J'ai rajouté le cheval est un animal dans l'oasis. Pour terminer la partie, il faut utiliser l'une de ces conditions. Bon, bah, non, si c'est écrit tout de suite, je m'embête pas, je le colle. Le message est à adapter en fonction de ce qui s'est passé dans le jeu. Voici le résultat final pour le dromadaire. Le dromadaire est un animal dans l'oasis. Instead of climbing or entering le dromadaire. Alors, je vais mettre mon truc à côté pour voir si on est pareil. Donc ça, oui, je l'avais copié-collé. Instead of attacking le dromadaire, dire le dromadaire n'a pas apprécié, il vous le rend bien avec un coup de sabot bien placé. Bon, bah moi j'ai adapté. Fin de l'histoire en disant vous êtes mort. Pour terminer la partie, il faut utiliser l'une de ces instructions. Ça, il faut le copier où? Si le joueur a perdu ou qu'il s'agit d'une mauvaise fin. Ça, c'est ce que tu as mis dans le Instead of Attacking, c'est juste une instruction dans une règle. Ah oui, d'accord, donc ça, c'est pas un truc à coller dans le jeu, c'était à En titre fait, d'exemple. ouais, bah, juste pour dire comment finir la partie, parce qu'on l'avait pas vu encore. D'accord. Ah oui, bah c'est parce que je comprends rien à Parce chaque que... fois au tuto. Non, mais c'est bon, c'est des notes à prendre pour améliorer le tuto. En fait, la source, c'est que des phrases déclaratives, genre l'oasis est un endroit, ou bien des règles comme Instead of Attacking, et dans ces règles, on peut dire ce qui se passe en fait. Ouais. Donc, tu mets juste fin de l'histoire, mais le jeu ne sait pas quand est-ce qu'il faut la finir, ça sert à rien, c'est comme il faut la mettre dans une règle en particulier en fait. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut s'y faire. Hein, mais donc, comme on est habitué au code, à des trucs super précis, et que là, du coup, ça reste assez libre, finalement, Ouais, c'est ça. ça nous laisse un peu désemparés au début. Alors, donc ça, on est bon. Fin de l'histoire en disant vous êtes mort. Ça, c'est bon. Créons aussi le cheval du joueur pour que la condition dans le texte fonctionne. On l'a mis, comme il n'est pas présent au début de Juste. la partie. Oui? Voilà, c'est ça, c'est bon. Hein? Non, c'est bon, c'est juste ce qui est dit dans le tuto. D'accord. Comme il n'est pas présent au début de la partie, nous ne spécifierons pas d'emplacement lors de sa création. Ah! D'accord. Je me suis enflammé, moi. J'ai mis dans l'oasis. Ah oui, parce qu'au début, il n'y est pas forcément. Il faut qu'on le cherche. Ça, hein? Un objet peut être nulle part, c'est ça. Ouais, et il faut qu'on le Il est nulle part. cherche. Et on n'avait pas mis de description. La description est votre cheval est un splendide Akalteke. Tek. Comprendre Akal ou Akalteke comme le cheval. Bah, Donc. les descriptions de manière générale, c'est bien d'en mettre comme à tous les objets. C'est comme ce sera pas forcément dit dans le tuto, mais c'est une bonne idée. Ouais. Alors, ajoutons le palmier. Ah oui, j'avais pas tout lu du coup. Nous ne spécifierons pas d'emplacement. Nous verrons comment le placer en jeu en cours de partie plus tard. Ok. Donc là, on rajoute le palmier. Le palmier est une chose fixée sur place dans l'oasis. La description est un palmier qui oscille au gré du vent. Comprendre arbre comme le palmier. Alors, on va copier. Coller. Ajoutons comme décor dans l'oasis un chemin vers la crypte. Ouais, si on met pas de chemin, il peut pas y aller. Là, c'est juste un objet de décor, genre juste le D'accord. chemin physique, genre. D'accord, mais si on n'en met pas, il peut quand même y aller. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste pour comme si le joueur tape examiner le chemin, bah, il aura marqué D'accord. comme hey, un chemin va vers le sud. Ouais. Alors, ajoutons comme décor dans l'oasis un chemin vers la crypte. Nous pourrions écrire le chemin vers la crypte est une chose dans l'oasis, mais cela pourrait causer un conflit avec l'endroit crypte que nous allons bientôt créer. Donc, nous écrirons le chemin est une chose décorative dans l'oasis. Sinon, une pomme peut s'en mêler, comme la crypte dans le nombre d'objets, Oui. pourquoi il a comme. D'accord.
Il reste néanmoins possible de modifier le nom qui sera affiché en jeu avec la propriété printedName, qui est analogue à la propriété description. Voici le code obtenu. Le chemin est une chose décorative dans l'Oasis. Le printedName est chemin vers la crypte. Le printedName est une propriété similaire à la description, mais pour le nom qui sera affiché en jeu. Ah oui, donc on écrit le chemin dans le code, mais dans le jeu, ça affichera chemin vers la crypte. Oui, c'est ça. Je vérifie que je comprends tout bien, parce que c'est pas toujours gagné. Voilà, c'est bon. C'est pas toujours gagné. Alors, on va mettre ça juste avant la crypte. Autour du sable, il doit être une toile de fond dans l'oasis, la crypte. Et le désert. Ajoutez également ces deux derniers endroits, nous les modifierons plus tard. Ben, je crois qu'on avait déjà mis la dernière fois, comme je copiais-collais au fur et à mesure. Je vérifie. La crypte, on a là. Le désert. Oui. C'est juste, on prend pour part. Enfin, on fait comme si on recommençait à zéro. Ouais. Le jeu complet, genre. C'est... Ouais, si mais moi. Au bout, déjà, moi, je triche. Hein. Je garde ce qu'on a fait la dernière fois. C'est bien. Comme en plus c'est plus très frais dans mon esprit, j'aurais pas su le refaire là. Donc, ouais, mais c'est... on apprend comme ça. Hein. Oui, bah de toute façon, il faudra que je refasse. Je resuivrai, je pense que je referai le tuto une ou deux fois. Hein. Alors, il doit être une toile de fond. Oui, on a ajouté la crypte et le désert, c'est bon. Le prendre et le fouiller doivent donner des messages appropriés et bloquer l'action. Rappelez-vous le moyen de trouver à quelle action correspond la commande fouiller. Non, je ne me rappelle pas. Le code final pour le sable. Le sable est une toile de fond. On avait mis quelque chose pour le sable. Le sable est une toile de fond dans l'oasis, dans le désert et dans la crypte, on avait écrit. Ça, c'est bon. On n'avait pas ajouté ça. Tout le reste, on n'avait pas ajouté, donc on va le rajouter. On va faire une grosse triche de copier-coller. Hein. Là. Ouais, mais sinon, c'est... je pense que je le referai une prochaine fois en changeant en fait les textes et comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Personne n'est là pour regarder. C'est pas grave. Bah, et puis si. Oui, bah, si quelqu'un est là, ça va plus vite en plus, du coup. Oui, donc c'est bon. Non, parce que là, l'idée, c'est pas de me voir galérer à taper des trucs pendant une heure. Ouais, ouais, on va pas faire la même erreur que la dernière fois. C'est ça, déjà, on a un petit peu perdu de temps la semaine dernière. Alors, l'indéfinite article du sable est dû. Instead of taking le sable, dire il n'y a pas de technocrate ici. Ah, ça, on l'avait déjà mis. Ici. Il n'y a pas de technocrate ici pour essayer de lui vendre votre sable et vous n'avez de toute façon pas de récipient pour l'emporter. Pour fouiller le sable, on ne l'avait pas fait ça par contre. Instead of searching le sable, dire autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, l'action pour fouiller c'est searching. Puis, d'accord. Une des méthodes, c'était d'aller dans l'index. Ah oui. Donc action, puis là tu cliques sur. Je pense qu'il y a les commandes. Je vais le faire pour faire voir sur le. Je vérifie que le truc apparaît bien. Voilà. Donc index, donc les actions. Alors. Other people. Je vais ouvrir une forme aussi. Pour standard action. Apparaître. Out of the world. Si tu descends... Ah oui. Si tu descends, il y a des commandes en ordre alphabétique. Ouais. Par exemple, l'autre tu regardes. Ouais, on a searching. Ouais, bah de toute façon. Il... Hein? C'est ça, comme si tu. Tout en bas, il y a comme toutes les commandes qui oui. mènent à quelles actions. Genre. C'est ça. Et ça mène à searching. Ah, oh, mais ça. L'autre technique, c'est d'être en jeu et de faire la commande spéciale actions. Puis ça liste, ça va donner le nom des actions quand on les fait en jeu. Alors, attends, parce que... En fait, quand j'ai l'impression que c'est quand je change d'onglet sur...
sur le logiciel que ça n'apparaît, ça fait disparaître la fenêtre. Moi, j'ai la vidéo en retard, donc là, je peux pas. Ouais, mais là je contrôle et je viens de voir que ça avait disparu. Donc là voilà, je viens de remettre. On a bien toutes les actions en bas par ordre alphabétique. Et il y a sleeping, smelling, squeezing. Et donc il y a bien searching. Requires Et puis light. encore plus, et puis encore plus en bas, il y a la section comments. Ouais. Et là, tu peux voir fouiller. Et fouiller, ils vont te dire quelle action ça amène. Ah Comme oui, il y elles en a sont un, c'est en. quelles actions mènent à quelle commande. Puis il y en a un, c'est quelle commande mène à quelle action. Ah oui, ça c'est bien parce que du coup, comme ça, on Tu sait as en ça. français par rapport à l'équivalent français, quoi. Et tu sais que si le joueur tape fouiller, ça va toujours mener à searching. D'accord. Donc, Alors, si tu vois juste farfouiller. searching, c'est con. Ouais, on peut mettre ça aussi. Il y a Bah, ça, c'est les farfouille. commandes que le joueur peut taper. Ça, Ouais. c'est ce que le joueur peut taper. Et donc, nous, pour. Et ça va mener à l'action searching, D'accord. qui est le nom de l'action officielle, genre pour une forme dans la série. D'accord. Ah, c'est ça qu'il faut. Faut le temps de se faire à ça, en fait, la différence entre les commandes Mais, et les actions. ouais, c'est parce qu'il faut toujours que le joueur il puisse avoir plein de synonymes pour que lui, il n'ait pas. S'il met un mot qui ressemble, mais que le jeu lui dit, oh, je comprends pas, ben, c'est dommage. Ouais. Alors, ouais, ça, il y a plusieurs commandes qui peuvent mener à la même action pour le bien du joueur. Ça, je sais qu'on peut le faire aussi dans Quest. Il y a, mais du coup, Quest est vachement plus. Ouais, c'est. Ouais, j'ai pas trop utilisé, mais ouais, c'est des comme cases à cocher, l'esprit Oui, du jeu, voilà, tu c'est vois. surtout des menus déroulants et des cases à cocher et des petits trucs à remplir. Et du coup, on peut, oui, il y a la petite case les synonymes et là, on peut écrire tous les verbes qu'on veut. C'est ça. Bah, moi, j'avais bien aimé hein, Quest, je le trouve sympa, mais. C'est pareil, c'est Et moi, assez. j'avais déjà essayé. Je pense qu'en fait, ça pose problème pour les gros jeux. Ils commencent à devenir très lents quand ils sont Ah sur oui. Internet, ce genre de choses. Et puis je crois que C'est ce genre de problème. son gros défaut, c'est que les jeux s'exportent pas. Ou alors que pour Windows, mais je sais plus, c'est Il me possible. semble qu'on peut surtout jouer sur le. Sur le. Ouais, c'est Leur, ça. le site MyGames là. Texte aventure. Ou Texte. info.uk. textaventure.co.uk mais après ça s'exporte pas donc ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais de toute façon je ferai sûrement aussi une petite soirée test sur Quest hein, mais celui-là je le connais mieux. Je trouve assez sympa aussi. Alors on en était. Le code final pour le sable. Le désert. Nous on l'a déjà mis donc on va. Ah, je sais plus si ça on l'a mis. Et petit bonus permet d'expliquer pourquoi le joueur ne peut aller dans une direction qui ne mène à aucun endroit depuis le désert. Instead of going nulle part from le désert, dire sans cheval, vous ne pouvez risquer de vous aventurer dans le désert seul. Alors. Du beau franglais, malheureusement. Oui, bah faut le temps de s'y faire, mais je pense qu'après, une fois qu'on s'y fait, Ouais. ça coule tout seul. Ben, ouais, ça, c'est comme n'importe quel langage de programmation, à un moment, tu connais par cœur et puis. Oui. Bah surtout que là, ça reste proche de d'un langage. Enfin, c'est un langage naturel, donc ça reste. Il y a une syntaxe après qui est genre la ponctuation, tout ça à retenir, mais donc. Ça, on peut l'enlever puisqu'on va le geler dans le copier-coller. Du coup, on va rester ici. Ça aussi, on va l'enlever. Voilà. Le désert est au nord de l'oasis. Il est là, donc on va l'enlever. La crypte. Non, ça c'est bon. Là, je crois qu'on est pas mal. Je fais la compilation et ça fonctionne. Je fais voir. Ah oui, mais si je change d'onglet, je vais plutôt faire un décalage du truc.
Alors. Hop. Voilà. On voit que ça fonctionne. On a bien le jeu. On est à la description de l'oasis. Bon, on va tester. Alors, on avait testé tout à l'heure de tuer le dromadaire. Là, qu'est-ce qu'on vient de rajouter? On va essayer de prendre du sable. Vous ne voyez rien de tel, à moins que cela ne soit sans grande importance. C'est le message par défaut pour dire que l'objet n'existe, le jeu n'arrive pas à voir l'objet en tant que tel. Alors, comme qu'il n'y a pas d'objet nommé comme ça dans l'endroit où tu te trouves, on va dire ça, mais je sais pas pourquoi. Bah oui, parce qu'on a mis ce qu'il fallait. Ouais, mais c'est ça du code, trouver des bugs. Le sable est une toile de fond dans l'oasis. Alors attends, je remets le code là sur le... Ah oui, mais du coup, toi, tu l'as en différé là. Ouais, c'est ça. C'est C'est ballot. parce que. Parce que là, j'ai copié-collé. D'accord. Alors peut-être que j'ai deux fois un truc sur le... J'ai peut-être deux fois me parler du sable. Ah, ça, c'est le pire des bugs. C'est Inform. Il trouve que ce que tu as écrit est tout à fait correct, mais ça se comporte pas comme il faut dans le jeu. Oui, Donc. ça c'est ballot. Comme il n'a pas l'erreur genre, oh, tu as oublié de créer le sable. Ça, c'est facile, mais. Ouais. Essaye prendre sable pour voir. Sans le dû. Attends. Ah mais je l'ai... Ah non, le Comme. soleil est une... Ah, j'ai deux fois l'article indéfini du sable et du... Ça, je pense que c'est pas grave parce que comme Ouais. Inform voit que c'est la même chose, il s'en fiche. Si c'était deux choses différentes, genre un qui dit dû et un qui dit autre chose, il va te dire, ah, Alors t'as dit si deux je fois la fais même chose. juste prendre sable, toi tu me dis... Ouais, les déterminants sont pas importants normalement. Il n'y a pas de technocrate. Donc là Donc c'est ça le du sable qui fonctionne, c'est voit. le du sable, ouais. Ah. Donc c'est un bug dans le français. Ah, super, on vient de découvrir un bug. Ah! Merci. De rien! Bah c'est Attends, bizarre quand même, maintenant, mais ouais. bientôt Je tout le pense monde que. va m'appeler pour tester les trucs. Le truc c'est qu'en fait, les joueurs qui ont l'habitude, ils tapent jamais les déterminants pour ces Ah pronoms. oui! Genre, hop, prendre sable ou Ouais! comme examiner dromadaire, ce genre de choses. Puis du Ah coup, oui! personne prendre du sable, alors personne n'a remarqué qu'il y avait un bug. Si je mets Je pense prendre que c'est le ça. sable, ça marche. Ah, ça marcherait normalement parce que le il est bien pris en compte, mais le dû, peut-être qu'il a été Ouais, oublié. le dû, il est pas pris. Bon ben, Bon bah. c'est un bug. Tu me demandes, Mais hein, merci moi pour l'info. je chasse les bugs sans faire Bug exprès. déterminant du. Et ben En hein. fait, tu peux juste taper PR pour prendre et X pour examiner. C'est comme D'accord. des raccourcis de. Ça, c'est juste quand t'as l'habitude plutôt que toujours Oui, taper. ça c'est les gens qui jouent Oui, souvent. Là, on voit que je joue pas beaucoup en mais. fait. Non, mais c'est normal. Et pareil pour comment, les directions, plutôt que de dire aller au nord, tu peux juste mettre N Ah juste comme oui. aller au nord. Mais ça, c'est comme ouais, quand on joue, on finit par Oui, ça. bah oui, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre de taper quand tu dois aller d'une pièce à l'autre et tout, t'en as marre. Oui, c'est ça. Comme aller au nord-ouest, bon, c'est le genre de truc pas drôle à écrire. Ben ouais. Mais du coup, c'est ça. Donc, merveilleux bug, merci. Ben Puis, de on peut rien. continuer maintenant. Donc je le remets sur le... Je redécale la fenêtre là sur le Ouais, c'est bon. stream pour Bah, que comme les gens y moi, voient. Hein. Enfin les gens, je sais pas s'il y a vraiment du monde qui nous regarde, mais c'est pas grave. là, pas grand-chose. Il y Et moi, avait... j'apprends beaucoup de choses. J'apprends comment utiliser une forme en même temps que toi. J'adore. Ouais. Et ben voilà. Non, mais je me dis de toute façon, j'avais envie de le faire. Ça fait longtemps parce que tu vois, ça fait un moment que je traîne et que je viens ou que je viens pas sur le Discord, que j'ai envie et tout ça et je prends pas le temps et du coup bah en faisant les streams, même s'il y a personne qui regarde, moi ça me fait l'occasion de le faire, enfin. Ouais, hein, bien sûr. Puis ça permet, comme on vient de le faire, trouver des bugs et des problèmes pour les Voilà. tutos et tout, donc Et c'est bah, bien. et ça sert à tout le monde. Non, mais c'est une forme de motivation pour moi, donc c'est cool. Donc,
Là, c'est bon. On est bon. On repart sur le... Alors, je vais remettre le... Source. Eh ben, c'est bon. Ajoutons également une forêt à l'est de l'oasis, mais en empêchant le joueur de s'y rendre. L'endroit n'est pas sûr à la tombée de la nuit. On peut pour cela rajouter tout la forêt après going dans la règle. La Ouais, forêt... comme. Oui? Ah non, c'est bon, vas-y, vas-y. La forêt est un endroit, la forêt est à l'est de l'oasis. Instead of going to la forêt, dire la nuit va bientôt tomber et la jungle est la plus dangereuse à ce moment. Autant rester dans le désert, essayer de retrouver votre cheval ou explorer les environs. Alors. Oui, bah là c'est encore de l'anglais pour dire aller dans la forêt, c'est going to. Comme going, c'est l'action d'aller, oui. Ouais. Donc ça va aller au nord. Alors, on va copier-coller. Grosse petite triche. Alors, on va retourner vers l'endroit où on mettait les lieux. Hein. Ouais, ça, en fait, il aurait fallu écrire comme part one ou part two, Ouais, les comme lieux. c'est des templates qu'on a mis au début, mais c'est Ouais. bon, pas grave. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est ce qu'on avait vu là, les. Ouais, mais c'est pas grave. C'est bien dans un gros projet, mais là, c'est pas grave. Oui. Mais t'as vu, même si je l'ai pas mis, j'essaye de rester à peu près au même endroit. Non, Alors, mais c'est bon, ça. je compile pour voir si c'est bon. C'est bon. Hop. Je change plus du coup l'onglet parce que sinon à chaque fois ça me fait sauter dans le truc du streaming. Alors dans la crypte, maintenant que l'oasis est terminée, penchons-nous sur la crypte. Il faut d'abord créer une porte de pierre en utilisant le type porte qui se situera entre la crypte et l'oasis. Il faut qu'elle soit ouverte, mais qu'il soit impossible pour le joueur de l'ouvrir ou de la fermer. Voilà à quoi peut ressembler son implantation. Ouais, peut ressembler, mais à chaque fois, en fait, c'est jamais au mot près, quoi. Là, c'est des exemples, ouais, c'est ça, ça dépend des descriptions que tu as choisies, ça dépend du jeu que tu veux faire. Tu sais, ça, c'est comme le jeu type qu'on va faire, mais. Ouais. Et puis, comme là, on n'a jamais vu de porte, ben, c'est comme l'occasion d'apprendre, donc on peut pas trop inventer. Alors, on ne peut pas écrire porte de pierre car il y aurait une confusion avec le verbe porter. Ah oui, donc. Ben, ça c'est une forme, oui. C'est comme sinon, il va croire qu'il y a quelque chose qui porte un objet, Ah genre qui oui. s'appelle deux pierres. D'accord. C'est un bug à cause du français que c'est comme. Ah oui. C'est que si tu écris, mettons, le joueur porte un chapeau, ben, tu sais, il aura un chapeau sur lui. Genre. D'accord. Nous allons donc l'appeler porte de pierre sans espace dans notre code. La porte de pierre est une porte ouverte. Et on va lui mettre le printed name, c'est ça. Oh, je C'est l'ai. ça, oui. Ah, ça y est, ça rentre. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, la porte de pierre est au nord de la crypte et au sud de l'ouest. Le printed name de la porte de pierre est porte de pierre avec les espaces. Comprendre porte, seuil ou crypte comme porte de pierre. Permet d'autoriser le joueur Pour à. que le joueur puisse. Hein? Non, c'est ça, c'est pour que le joueur puisse comprendre plus porte ou seuil, comme Ouais. s'il tape examiner des portes. D'accord. Ça. Permet d'autoriser le joueur à quitter la crypte lorsqu'il tape sortir plutôt que aller au nord. Instead of exiting et non pas exciting. Exiting quand la localisation est la crypte, essayez de going Ok, je nord. prends. Ouais, c'est L'instruction. moche. Oh là là! L'instruction essayez de force le joueur à faire une action ici, aller au nord. Ouais, ça, parce que la crypte, elle est au sud, officiellement, dans le jeu, mais comme le joueur, il peut juste taper sortir, puis pour sortir de la crypte, ben, on Ouais. redirige l'action exiting, qui est sortir, vers l'action aller au nord. Ah oui, ça va pas l'afficher, ça va le faire directement. Comme instead of exiting, ça veut dire au lieu d'aller de sortir, quand la location est la crypte, ça veut dire ah, c'est pas quand, c'est peut-être ouais. Ça veut dire seulement quand tu es dans la crypte. Ouais. Et essayer deux, ça va juste dire bah
arrête l'action et plutôt va au nord. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose en soi, tu sais, une forme, il s'agit juste que la crypte est au sud de l'oasis, mais c'est tout. Ouais. Mais un joueur, lui, il comprend pas que c'est forcément. Comme il pourrait vouloir taper sortir pour sortir de la crypte. Oui, et s'il sort, s'il écrit sortir, du coup, cette partie de code va corriger le truc, C'est quoi. ça. Sinon, Ok. une forme va juste dire, mais vous êtes à l'intérieur de rien. Ouais, alors que pour nous, une crypte, c'est quand même un endroit fermé. C'est ça, oui, c'est ça. Mais une forme, lui, peut pas le deviner. Ouais. Alors, instead of opening or closing la porte de pierre, dire la porte est trop lourde pour vous, si la porte de pierre est ouverte. De plus, elle est déjà ouverte, fin si. D'accord. Donc là, oui, pas besoin de préciser si elle est fermée. C'est qu'il y a une Ouais, condition ça si c'est c'est juste ouvert. pour vous dire que parce que sinon c'est comme ouvrir la porte et puis le jeu va juste dire elle ne peut pas être ouverte. Ça Ouais. c'est comme pas terrible. Surtout si elle est déjà ouverte. Ouais, ça c'est vraiment juste là, c'est pour l'ambiance en fait. Comme Ouais. on peut pas l'ouvrir parce que elle est trop lourde ou comme ça. Alors on va le rajouter. Ah bah voilà, j'ai dû refaire une bêtise, ça a encore enlevé... Oh! Je suis pas sur le bon truc. Je sais pas pourquoi il me fait disparaître. Pourquoi qu'il me remet pas une forme? Elle est pourtant bien là. Il y a un nouvel arrivant. Ah, Balou, coucou. Le temps que je réagisse. Mais parce que la fenêtre d'une forme, elle apparaît plus. Et je ne sais pas pourquoi. Alors. J'arrive. Hein. On avait dit qu'il n'y aurait pas de problème technique ce soir, mais on n'est jamais à l'abri. Alors, il veut pas me mettre pourtant. Alors, je vais enregistrer. Je vais fermer parce que je sais pas. Ah bah si, il me le réaffiche là, mais en tout petit. Super. Bon, Balou, t'es désolé, t'arrives à un moment où je galère alors. Comment ça va? Alors, maintenant que c'est reparti. Maintenant que ceci est fait, attaquons-nous à la suite. Nous aurons besoin de créer une nouvelle propriété pour les personnages morts. Nous voulons que les personnes puissent être mortes et qu'interagir avec une personne morte bloque l'action. N'oubliez pas d'écrire votre code dans la bonne section. Mais on n'a pas fait de section. Donc tant pis. Une personne peut être morte. Une personne est rarement morte. Ah oui, ça je me souviens qu'on l'avait mis. On en avait déjà parlé au début du tuto. Je sais, c'est malheureux le masculin, mais Oui, non, mais. c'est comme ça. Ah oui, t'avais noté que j'avais Tu peux le mettre. râlé. Non, non, mais je suis d'accord. Tu peux le mettre au féminin si tu veux, mais dans ce cas, il faudra juste pas oublier de le mettre au féminin partout. Ouais. Ce qui est tout à fait viable. Tu sais, tu peux mettre. Ou tu peux choisir un adjectif épicène si tu en trouves un, mais. Oui. Non, mais on va faire avec. Hein. Faut attendre Rarement. les prochaines versions d'une fois. Ouais, avec l'inclusif.
Une personne, alors rarement signifie que les personnes ne seront pas mortes par défaut. Instead of doing something to une mort personne. Et ça donne Oui, des phrases sympas quand même. c'est Dire cette créature est morte, laissons-la en paix. Doing something, ça fait. Ouais, non. Il arrive qu'une forme ne comprenne pas quand l'adjectif est après le nom, c'est pourquoi il a écrit. Il est écrit tout une mort personne. Ah oui. Oui, à l'anglaise, parfois, c'est malheureux Ouais. aussi. Wow, si on oublie au début que c'est pas automatique, on peut tenter. Si ça marche pas, il faut essayer de s'en souvenir, Ouais, quoi. une forme va juste te dire il comprend pas la phrase et puis il faut essayer de trouver pourquoi. Au fond, c'est pas. Ouais. Alors, bon, on va le mettre quelque part. Bon, on va le mettre au tout début, tiens. Oui, c'est ça. C'est un truc général, comme spécifique au jeu, donc ouais, c'est bien de mettre au début. Alors, ah, un problème. Report on translation failed. Ouais, It ben ça, c'est ça, c'est les erreurs d'informe. you wrote la porte de pierre est au nord de la crypte et au sud de l'oasis, but in another sentence, like. Ah oui. Ah, j'ai deux phrases. Qui se contredisent. Ça, c'est depuis le temps, c'est de l'époque où on n'avait pas de porte entre l'oasis et la crypte. Il y a une phrase qui dit la crypte est au sud de l'oasis. Ouais. Il y a une autre phrase qui dit la porte de pierre est au sud de l'oasis. Parce que c'est la porte qui est vraiment au sud de l'oasis maintenant, c'est la Ah crypte. Ça, c'est oui. l'époque du tuto précédent. Donc, il faut juste supprimer la phrase qui dit que la crypte est au sud de l'oasis. Ah d'accord. Bah, tu peux Alors. lire aussi le message et puis essayer de le comprendre parce que c'est comme ça qu'on Ouais, apprend. parce que là, j'ai rien compris. Okay, c'est Alors, bon. on a écrit la porte de pierre est au nord de la crypte et au sud de l'oasis. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est bon. Ouais. Mais dans une autre phrase, on a écrit la crypte est au sud de l'oasis. C'est ça. Cela Et du ressemble coup, à une pour une forme. contradiction. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas, il peut pas y avoir deux choses qui sont au sud de l'oasis. C'est pas Ouais. logique. Et donc, il faut enlever la vieille phrase de la dernière fois. Ah oui, parce qu'on a la crypte et la porte qui sont au sud de l'oasis. C'est ça. Là. Donc faut On qu'on met une forme dans enlève deux cas. la crypte. C'était où la crypte? La crypte, la crypte est un endroit. Là, c'est ça. La crypte est au sud de l'oasis. On supprime. Attention, je relance. Et ça marche. Alors, voilà. Et on a bien une porte de pierre avec les espaces tout bien comme il faut. J'ai une grosse latence au passage. Ouais, bah ça, c'est, je sais pas, mon mari il regarde un truc en streaming en bas, c'est peut-être pour ça. Ouais, de toute façon, il y a tout le temps des lags et des latences et des trucs, ça m'énerve. Tu viens en élève studieux, bah c'est bien ça. Tu fais le tuto en même temps que nous, j'espère. Alors, on continue maintenant qu'on a résolu le bug. Ouais, c'est parce que le problème, c'est que je suis pas partie de zéro. Je suis partie Ouais, non, mais des trucs il que j'avais. faudrait que je le mentionne au début. Ouais, de repartir à zéro. La faute du tutoriel. Hein? C'est la faute du C'est la faute du tutoriel. Oui, bah tutoriel. oui, on va dire Donc, ça. c'est ma faute en fait. Donc, bah ça peut pas être la mienne. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu partir de zéro, mais je suis partie sur. Je me repose sur mes acquis. Et du coup, j'avais déjà des trucs de copier-coller, j'ai pas, j'avais la flemme de refaire, Non, mais. mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Les programmeurs sont paresseux en général, donc c'est bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que.
Ça permet de montrer aux gens que voilà, quand on est flemmard, on rencontre des erreurs qu'on n'aurait pas eues si on avait juste pris la peine de. Parce que là, si t'es pas là pour m'aider, l'erreur, je passe 2 heures dessus, quoi. Donc. Non, mais ouais, bon. Non, mais Alors. la dernière fois, je trouve que tu t'es très bien débrouillé, honnêtement. Alors, c'est très bien. Hein. Ah, c'est gentil. Non, non, mais je veux dire, il y a des trucs comme, tu sais, je veux dire, il y a des moments qui ont été très lents, comme l'installation, mais Ouais. il y a d'autres moments où ça t'a compris vite fait, comme les erreurs qu'il y avait ou les problèmes ou des trucs comme ça. Donc, moi, c'est bien. Hein. Ouais, mais après l'installation, comme moi, je suis pas très doué avec Non, les mais c'est ordis. aussi ma faute. Je devrais mieux l'expliquer et ça va être fait. Ouais. Ben, en tout cas, sur le Discord là de la chaîne, il y a Warren qui était passé aussi la semaine dernière, qui avait fait la fin du tuto avec nous et qui était intéressé par Inform. Et il a essayé de l'installer et il m'a dit j'ai galéré, j'ai pas réussi, je laisse tomber. Ouais. Et c'est une forme qui est comme la traduction est un peu expérimentale en ce moment parce que c'est pas encore officiel, mais Ouais. du coup, il faut attendre les prochaines versions d'Inform de pas le corriger. Ouais, c'est un peu, je suis d'accord que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc du coup, ouais, j'étais un peu rassurée qu'il n'y ait pas que moi. Non, mais ça, c'est que chez nous, on a à peu près que des programmeurs, on a peu de monde, peu de gens du monde littéraire. Ça fait qu'en général, les gens remarquent pas ce genre d'erreur. Donc, Ouais. Oui, parce que en plus, oui, vous savez faire, alors avec peu ça, d'instructions, vous savez faire, mais. la plupart des gens chez nous, enfin, chez Fiction Interactive, c'est comme les gens qui faisaient ça à l'époque, dans les années 90, 80. Enfin, c'est beaucoup de vieux, on va Ah dire. oui, bah Donc, ils devaient. je suis pas Moi, jeune non je ne suis pas vieux. plus. Bon, Bah moi je suis on est pas jeune. Mais tout ça pour dire que oui, c'est ça, c'est en général des gens qui sont plus des codeurs, qui Ouais. veulent refaire les jeux qu'ils ont joués quand ils étaient jeunes ou ce genre de choses. Ouais. Mais on n'a pas de littéraires qui apprennent à coder, on a plus des codeurs Ouais, qui apprennent à mais écrire. ça intéresse pourtant justement tous ces outils qui permettent de coder sans connaître, enfin de programmer sans connaître du code. Ça intéresse les gens. Hein. J'ai une personne que je suis sur Twitter, sur Rocambole et tout ça, Anaïs qui est passée au début là du streaming et qui passe régulièrement sur mes streams. Depuis qu'elle a découvert Moiki, elle lâche plus le truc. C'est pareil, le gars est apparu sur notre Discord et a dit comme hey, j'ai fait un nouvel outil. Et puis là, on a vu que ça a été assez populaire assez rapidement, bah, toute Ben oui. proportion gardée, mais donc c'est chouette. Ben oui, parce Ouais. que pour les gens comme nous qui connaissons pas le code et où c'est fastidieux d'apprendre, c'est long et tout ça, ça peut couper les envies, alors que là, ben, on peut créer des histoires, vraiment se concentrer sur l'histoire et on n'est pas bloqué par des compétences qu'on n'a pas encore, quoi. Ou qu'on Mais n'a c'est pas ça. envie Donc nous, d'avoir. on veut des littéraires chez fictioninteractive.fr. Donc venez nombreux. Et bah c'est Voilà. ce qu'on essaye de faire justement, donc c'est cool, mais Donc une forme c'est. on peut continuer maintenant. On arrive, on On peut. arrive. Faites-nous des Moiki et des trucs comme ça et on arrive. Alors, on en était où? Revenons à la crypte. Non, si on avait fait ça. Oui, on avait C'était le mis bug de des la morts, on crypte. avait fait revenons à la crypte, créons-la, ajoutons-lui une description, une momie et le fameux cimetière. Bon bah moi j'ai déjà tout sauf la momie. Il faut qu'un message personnalisé apparaisse lorsque le joueur prend le cimetière pour la première fois. Ça on l'avait fait aussi la dernière fois. La momie sera considérée comme une personne et non une chose, afin de pouvoir lui attribuer la propriété que nous venons de créer. Ah oui, c'est que les personnes qui peuvent être mortes. Ce qui affichera le message adéquat si le joueur interagit avec elle. On n'aura pas beaucoup d'interactions. Hein. Sauf si, ah bah si, elle va se réveiller. Si je me souviens Ce sera bien. beau. Non, ce sera comme laissons-la en paix. Ouais, mais elle va se réveiller quand il prend le cimetière. Ben, on verra pour la suite. Hein? Non, mais au fond, tu peux écrire ce que tu veux, c'est ton jeu, approprie-le-toi. Non, mais il me semble qu'au début, on a dit dans le résumé Non, de ce qu'on allait mais. faire.
Alors, moi, s'il faut mettre des zombies de toute façon, sinon ça marche pas. Donc, cela donne, la crypte est un endroit. Alors, attends, je rouvre mon inform. Parce que j'ai des trucs avec la crypte, il va falloir les enlever. J'enlève. La crypte est un endroit, je l'enlève. Le désert est un endroit. Enfin, je vais ça, je vais peut-être le laisser parce que. La momie. Alors, la crypte est un endroit. Un silence de mort règne entre ces murs oppressants et le mur. Mur. Le murmure enjoué du vent n'arrive pas jusqu'ici. La momie est une personne morte dans la crypte. On affiche un petit texte avant d'examiner la momie. On n'utilise pas la description car elle ne s'affichera jamais puisque toute action sur personne morte est bloquée par la règle que nous avons définie plus tôt. Ah, bien vu. Before examining la momie, dire en temps normal, cela ne ferait pas aussi peur, mais il faut bien avouer qu'en ces lieux, l'évocation de la mort prend une autre dimension. Donc là, c'est ah oui, before, parce que si on met instead, ça impliquerait qu'il peut examiner, mais là, en fait, il peut pas, Bah, donc. si tu mets instead, ça va juste être plus précis que le instead qui applique les personnes mortes. Comme là, ça va faire before examining la momie, il y aura ce message-là. Et ensuite, il y aura le instead qui va dire laissons-la en paix parce que c'est une personne morte. Ah oui, d'accord. Comme le before se passe avant le instead qu'on vient d'écrire pour les morts. D'accord. Ça tout dépend de ce que toi tu veux écrire. Enfin, si Bon, est-ce on que a. tu veux garder le message pour les morts ou tu veux l'enlever? Oui, non, mais c'est bien parce que tu vois, du coup, je soulève la question et ça me permet de mieux Non, mais comprendre les différences. Par contre, le instead, le meilleur on. moyen, c'est de tester. Oui. C'est sûr. Mais sinon, bah, sinon, mais sinon, ouais, c'est ça. Mais là, en fait, il va l'afficher automatiquement avec le before, alors que si on met instead, il faudra quand même qu'il examine pour que ça s'affiche. Non, le before, non, c'est, il faudra quand même qu'il Ah, examine, mais d'accord. avant de l'examiner, ça veut juste dire, au moment où je l'examine, il y a d'abord le before qui s'enclenche, puis la D'accord. règle, l'action continue, puis ensuite, c'est l'action continue, mais là, l'action rencontre le instead, du instead of doing something avec une personne morte, et là, Ouais. ça va enclencher cette action-là. En fait, D'accord. comme inform fonctionne avec comme des règles, et puis les suit une après l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise arrête-toi maintenant, en fait. Ouais. Donc là, s'il examine plusieurs fois, ça va réafficher plusieurs fois la même chose. En temps normal, blablabla, puis ensuite le instead de la Ouais. personne morte. Ouais. Ok. C'est. Le cimetière, j'avais écrit aussi, il est où? Là, je l'avais mis là. Ben ça, on va le laisser. Donc, je vais copier-coller ça. Balou, je sais pas si j'ai déjà loupé ton départ ou pas. Je regarderai le replay parce que je pige rien. J'avoue, si t'as pas suivi le début et si t'as pas suivi la semaine dernière, c'est compliqué. Bah en tout cas, merci d'être passé et des bisous. Il est venu en élève studio, au moins. Non, oui, voilà, il est quand même venu. Après, je comprends quand t'arrives en cours et que tu connais pas le truc. Déjà, moi, Non, ouais, c'est j'ai fait la semaine dernière et j'ai du mal. Non, mais j'avoue que c'est plus simple comme quand tu es avec moi. Tu vois, tu peux répondre au fur et à mesure. C'est vrai que c'est plus vivant et puis pour moi, c'est plus pratique. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. La crypte, la momie. On avait déjà parlé de la momie. Est-ce qu'on en a parlé avant ou après? Je sais plus. J'ai mis où mon truc de la momie? Elle est là. Non, j'ai mis autre chose. Je l'avais mis ou pas? comme contrôle F, momie. C'est ce que je suis en train de faire. Ça va, c'est le même truc que dans les documents, les fichiers texte et Word. Donc, alors. Eh ben non, je l'avais pas mis le truc, le instead.
Une personne est morte, je l'avais pas mis. On discute et... Bah c'est ça, et puis voilà, je fais la moitié des trucs. Je remonte au début. Bah si, pourtant. Instead of doing something to une mort personne. Ah bah si, je l'avais mis. C'était pas tout la Bon bah. momie, c'était une mort personne. Ah oui. Oui, Et on parce que dit c'est une règle après que la générale pour tous momie les est morts. une mort personne. Ah oui, bon, c'est bon, alors j'avais bien fait ce qu'il fallait. Alors, on y est. Donc le cimetière, je l'ai déjà copié-collé la semaine dernière, je vais relire vite fait. Le cimetière est une chose dans la crypte. La description est un beau sabre à la lame courbe et damassée qui scintille de mille feux. Comprendre sabre, épée, lame, shamshir, courbe ou damas comme le cimetière. Nous remplaçons le message par défaut lorsque le joueur prend le cimetière sans pour autant l'empêcher de le prendre. After taking le cimetière pour la première fois, dire ce sabre légendaire, le shamshir, avait tout. Vous avez, pardon, toujours fasciné et maintenant vous pouvez enfin mettre la main dessus. Donc ensuite, s'il le pose, et il me semble qu'on avait vu ça la semaine dernière, s'il le pose et qu'il le reprend, ça s'affichera plus, ça. Parce qu'il y a la première fois, c'est ça. Ouais. Ok. Sinon, ce Notre. sera un peu nul. Hein? Ce sera un peu nul, sinon, à chaque Oui, fois, comme bah ça, oui. Notre première scène, le scénario que nous avons conçu plus tôt nous dit que la porte doit se refermer après que le joueur a pris le cimetière. Décidons que le joueur meurt d'asphyxie s'il n'arrive pas à ouvrir la porte à temps. Mon Dieu! Il va falloir faire une sorte de chrono en plus. Ou si nous savons comment organiser spatialement le jeu, nous n'avons pas encore abordé comment l'organiser temporairement. Ouh, ça se corse. Les scènes sont ce qu'il nous faut. L'utilisation des scènes n'est pas nécessaire pour créer un jeu fonctionnel avec une forme, car il est possible d'utiliser des tests sur les propriétés d'objets ou des variables à la place. Néanmoins, les scènes apportent un confort d'utilisation qu'il serait dommage de négliger. Les scènes dans Inform sont analogues aux scènes dans une pièce de théâtre. Elles commencent à un événement précis, se terminent à un événement précis et des choses se passent lors de leur déroulement. Elles aident ainsi à découper et organiser le temps. Par exemple, lorsque tel personnage ouvre son courrier et pousse un cri, un autre comédien arrive sur scène et ainsi de suite. Créons une scène nommée Enfermée et donnons les conditions qui la font débuter et se terminer. Enfermée est une scène. Enfermée begins when le player porte le cimetière. On peut mettre le joueur aussi, il me semble. C'est d'habitude, on met le Non, joueur. je pense pas. Ça va Ah! bugger, je pense. D'accord. C'est les ouais, c'est Ah oui, là, c'est une. C'est les commandes et tout ça, là. parce que l'objet, c'est le nom de l'objet, c'est toujours le player, comme c'est son nom D'accord. dans une forme. C'est comme les actions ou les choses de ce genre qui sont comme en anglais par défaut. Ouais, mais il y a des endroits où on met le joueur. Lorsque le joueur prend le cimetière, là plus haut, on met. Ouais, mais là, c'est juste le joueur. Ah ouais, alors là, C'est c'est dans le dans un commentaire. commentaire. C'est ça. Ah oui, ça marche. After taking, c'est comme on sous-entend que c'est après que le joueur prend. Mais Ah on le dit oui, pas. Mais d'accord. c'est un commentaire. Là. Ah oui, c'est dans les. Ouais, bah oui, si je prends en Petite compte. note pour l'auteur. Ouais. Alors. La scène commence quand le joueur. Ah oui, donc entre commentaires, c'est. Enfin, dans le commentaire, c'est la traduction. Enfermé ends sadly when the time since enfermé began is 10 minutes. Donc là, il compte en temps réel. Non, ouais, il y a Non? marqué en dessous. Ah! Elle se termine mal quand 10 minutes se sont passées depuis son commencement. Une minute égale un tour. Ah, ok. Ah, par défaut, c'est un tour. Un tour, c'est enfin une fois où il va taper une action. Ouais, c'est ça. Il a en gros 10 commandes C'est ça. pour y arriver. Enfermé ends happily when la porte de pierre est ouverte. Elle se termine bien quand la porte est ouverte. Ok. Bon, ça, je copie-colle.
Ouais, c'est ça, comme au début, quelque part, Au ou près de la début. porte, comme tu préfères. C'est ça, c'est encore une fois, c'est stylistique. Si tu aimes bien rassembler toutes tes scènes au début, bah, tu peux les mettre au début. Ouais. C'est comme pour les scènes. Ou tu peux la mettre près de l'endroit où ça se passe. Ça dépend du jeu, toi. Ouais, ça c'est un truc qui est assez cool quand même, c'est que tu peux organiser ton code en gros, enfin ta programmation dans l'ordre un peu que tu veux. C'est ça. En général, ouais. Des fois, il va pas être content. Par exemple, là, on Ouais. voit qu'il y a une vieille règle qui cède à stacking le dromadaire. C'est notre vieille règle d'avant. Ouais. Ben, celle-là se déclenche plus parce qu'il y a une nouvelle règle qui est écrite plus avant qu'on a écrite plus tôt qui dit que le dromadaire nous tue. Ah oui. Et donc là, l'ordre est important parce qu'il va suivre les règles dans l'ordre dans lesquelles tu les as écrites. Donc Ah oui. la règle, le premier instead of attacking le dromadaire va se jouer avant cet instead-ci. Ah oui, mais Et ça c'est un il truc de arrivera la jamais. semaine dernière en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour dire que l'ordre parfois est important, Oui. mais pas tout. D'accord. Ouais, bah là je vais essayer de retrouver la porte. Là j'ai des trucs sur la porte, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Bah, on va faire un petit. Ah! On a une petite erreur. Problème, you wrote la momie est une personne morte dans la crypte, but complicated determiners are not allowed in assertions. So, for instance. Ça voudrait dire qu'on peut le séparer en deux, j'imagine. Tu dis juste la momie est une personne dans la crypte, et puis la momie est morte. Genre, tu le sépares en deux phrases, peut-être qu'elle aurait du mal à Ouais. comprendre que la. Alors, Mais je vais c'est une phrase faire équilibrée. C'est une phrase comme CTRL F. La momie est une personne dans la crypte. c'est ça, puis une nouvelle Et phrase qui dit qu'elle est morte. la momie est morte. Mais ça devrait marcher pourtant, c'est bizarre. On va investiguer ça après. Ouais. Non. Il me dit la même chose. Ah, alors c'est le mort qui pose problème. Complicated determiners are not. You wrote la momie est une personne dans la crypte. But Très bien. complicated determiners are not Ouais, mais allowed. c'est Mais il n'y a rien de bizarre. compliqué là. Ouais, Morde. non, mais je pense qu'il y a autre chose. Tu peux le couper encore plus en disant la momie est dans la crypte. La momie est une personne, la momie est dans la crypte. C'est ça, comme beaucoup Ah! de. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas censé faire ça. Il n'arrive pas à le comprendre, c'est bizarre. Ou alors, il confond avec le personne comme personne n'est mort, genre. C'est Attends, je possible aussi. reteste. Non, là, ça marche. J'ai mis la momie. Alors, je refais voir sur le live. J'ai changé. La momie est une personne. La momie est dans la crypte. La momie est morte. Et là, ça Okay. marche. Je pense qu'il bug avec personne, il croit que c'est personne comme aucune comme personne genre pas de genre, genre. Ah! Je pense qu'il confond le une Avec personne le et nobody. personne n'est là. Ouais, c'est ça, le nobody, je pense. Je pense qu'il confond. Mais je suis pas Ok. certain, il faudrait que j'investigue parce que c'est pas la dernière fois que j'avais essayé, ça devait marcher. Mais la morale, c'est quand il comprend pas, le mieux c'est de le découper en petits morceaux, Ouais. genre pour être sûr que savoir qu'est-ce qui est dans la phrase il comprenait pas, genre. Ouais. Et Parce que il s'en fiche que tu écrives tout en une phrase sinon, ou en si on le plusieurs. met en anglais à la place, ça pourrait marcher. Ça, la momie is a person, ouais, ça devrait marcher. En anglais, par défaut, une forme est en anglais, ouais. Donc tu peux Ouais. mettre la momie is a person in the crypt. En fait, in the crypt, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'écrivait, en fait. Ouais. Avant qu'on puisse le traduire, Mais là, est-ce que je mais c'est peux pas grave. mélanger les deux ou est-ce qu'il vaut mieux quand même que si j'écris Tu un. peux garder les deux, mais en général, il faut quand même le déterminant parce que le déterminant est important pour le genre. Genre, tu ne dois pas écrire the mummy, sinon il ne saura pas que Ouais. mummy est féminin. Ou Alors, alors, il faut remettre un petit f après, enfin, ce genre de choses. Mais sinon, comme ça, si il je faut. mets la momie. Alors, attends, que je supprime pas tout. Is a person dans la Ouais, crypte. ça. Et Bah, là, in the crypt, du coup. in Mettre la, in the crypt. je Parce continue que en sinon, ça anglais. a bugué. Ouais. Et la crypte, je le mets comme on a mis en français. Ouais, in the crypt, ouais. In La la momie is a crypte. person in the crypt. Et on fait des belles phrases. Ouais, hein.
In la crypte. Ça fonctionnera Is aussi the dans. dead person. Non, is the Non, bon, mort person. on oublie de mettre mort parce qu'on l'a écrit comme Ouais. mort. Is the mort T'aurais pu mettre person. dead, effectivement. Alors, j'ai mis la momie. Is the mort person in la crypte. On Ouais, tente. ça devrait fonctionner. Alors. Voilà, c'est bon. C'est ça. En vrai, tu peux écrire à peu près tout ton code en anglais si tu veux. C'est vraiment juste les déterminants le plus important et les noms comme la momie. C'est obligé de mettre la momie et pas la mamie en anglais. Ouais. Ou Non, alors, faut mais. acheter des compounds com ou des printed names, mais ouais. C'est bien de le savoir parce que du coup, enfin, quand ça fait trop long à découper en trois phrases, là, tu vois, c'était relou. De savoir qu'on peut jouer Oui, mais sur le le. français. Hein? Oui, mais le français. Oui! Le français, mais du coup, on est obligé de redécouper en trois phrases alors que là, en Non, mélangeant un mais peu. là, c'est un bug, je pense. Ça arrive jamais, parce qu'en général, on ne dit pas une personne, on dit une femme ou un homme. Ah oui. Mais personne, c'est comme vraiment genre comme indéfini. Tu sais, on ne sait Ah pas si c'est une femme ou oui, un homme ouais. ici. Alors, si t'as mis homme ou femme, il n'y aurait pas eu ce bug, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, enfin, du coup, on peut s'en sortir avec un petit franglais. Un franglais qui passe plus sur l'anglais que le français. Ouais. Ouais, en fait, quand ça bug, on peut tenter de repasser par l'anglais. Alors ça, on l'avait déjà mis, je vérifie, je sais plus du coup si j'ai si je crois que je l'ai mis enfermé est une scène et c'est là. Nous pouvons voir que nous avons spécifié deux fins pour notre scène. L'une d'elles fera mourir le joueur et l'autre lui permet. Ah, là il y a écrit le permettra. Au lieu de Je l'ai lui relu per hier pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur en ah plus. lui permettra de continuer. Les noms des différentes fins, Sadly et Happily, ici, importe peu, nous pouvons choisir ce que nous voulons. Ah, d'accord. Mais en anglais quand même. Bah, là, c'est une forme s'en fiche. Tu peux mettre comme tu veux. C'est comme un nom arbitraire au fond. D'accord. C'est comme le mort. Tant que tu utilises le même mot partout, ça fonctionne. C'est Ok. tout. Mais le mieux, c'est d'avoir une phrase que toi tu comprends. Alors, si Oui. c'est en anglais, bah, ça marche bien dans l'anglais. Tu peux mettre malheureusement ou Ouais, tristement ou ce que tu veux. d'accord. Même en plusieurs mots, si tu veux, genre, comme ends de manière douce à amère, mais un peu joyeuse. Tu Ouais. sais, genre, tu préfères des phrases. Tu pourrais. D'accord. C'est pas. Ce qui compte, c'est que ce soit toujours. Si tu dis sadly, bah, quand tu veux faire référence à cette fin-là, tu dis toujours Ouais, sadly, c'est tout. d'accord. Ceci, bien que pratique, est optionnel. Il est possible de créer une scène ne possédant qu'une seule fin. Il n'est dans ce cas plus nécessaire de lui donner un nom. De plus, dans le code. Genre. Oui. Non, ça, c'est vrai. De Je plus. parle tout seul, Ah, désolé. d'accord. De plus, dans le code ci-dessus, nous avons décidé que la scène commence quand le joueur porte le cimeter. Cela fera-t-il en sorte que la scène recommence encore et encore s'il pose le cimeter et le reprend? Ah, bonne question. Non, car une scène ne peut arriver qu'une seule fois. Ah, c'est bon à savoir. Par défaut, du moins. Il n'y a donc pas de problème de ce côté. Oui, contrairement aux actions qu'il va taper, qui sont en dehors d'une scène. Alors, aussi, une scène ne peut pas se terminer avant d'avoir commencé. Donc le fait qu'elle prenne fin quand la porte est ouverte n'est pas dérangeant par rapport au fait que la porte est déjà ouverte au début du jeu, alors que la scène n'a pas encore commencé. Enfin, une scène ne peut pas finir de plusieurs façons à la fois. Donc si les 10 minutes finissent de s'écouler alors que la scène est déjà terminée joyeusement, rien ne se passera. Ouais, s'il s'en sort à la cinquième, il va pas quand même continuer à dire des trucs. Cool. Il Ça va pas se gère. dire, il va pas mourir d'asphyxie parce Ouais. qu'elle a déjà fini la scène. Ouais. Donc, ouais, ça se gère bien tout seul, quoi. D'où l'idée que les scènes étaient pratiques, c'est Oui, tout. bah ouais, du coup, c'est vachement bien. Définissons à présent ce qu'il se passe. C'est un peu comme un événement sur RPG Maker. Possible, pas utiliser RPG Maker, mais ouais, c'est Ouais. comme un événement, oui, comme Ouais, en qui telle va un condition est événement qui bon. va se dérouler une fois et puis c'est fini quoi. Comme dès qu'il y a une condition qui s'applique, l'événement a lieu, puis il y aura
C'est un événement dans la durée, par contre, comme Ouais. il n'est pas terminé tant que. Mais ouais, c'est ça. Ok. Bon, on a déjà une développeuse de jeu, alors c'est bien. Non mais je bricole moi, je fais des... C'est pareil, je fais toujours... J'essaye mais... J'essaye de trouver des supports en fait, parce que moi ce que j'aime c'est l'écriture ludique. Enfin j'aime écrire des textes, mais j'aime bien aussi les textes, enfin écrire sur des supports qui changent un peu pouvoir. Je vois, je vois. Donc du coup ouais j'aime bien bidouiller, essayer de bricoler RPG Maker, j'aime bien découvrir des nouveaux logiciels. Donc Twine ou Twin, je sais pas quoi, on le dit en français, on dira Fine, ouais. plutôt Twine. Twine Quest, j'avais un peu testé, j'aime bien, voilà, j'essaye de bricoler des trucs, je m'amuse quoi. Je programme Bon, rien. bah, c'est le but. Mais si, c'est de la programmation, là, c'est très bien. Ouais, mais enfin, au final, j'aboutis rien, mais. J'avais même commencé, j'ai quasiment tout traduit le tuto de Quest. Il faudrait que je le finisse. Ben oui, on serait très content si tu le finis. Bah, en fait, il est fait. Il faudrait que je revoie la mise en forme et que je revérifie, quoi. Que je reformule un peu quelques trucs, mais le gros de la traduction est fait. Donc, je vais m'y remettre. Alors, aussi, une scène ne peut pas se terminer. Non, ça, on l'a déjà fait. On a déjà lu tout ça. C'est le définissons à présent. Définissons à présent exact ce qu'il se passe lorsque la scène commence et se termine. Il faut que la porte se referme et se verrouille et qu'un message l'indique au joueur. Si elle se termine mal, nous faisons mourir le joueur d'asphyxie. Si elle se termine bien, nous amenons le div dans l'oasis. Ah oui, c'est le cheval. Non, Non, le div, c'est non, le le démon. div, c'est le monstre. Afin de Oui. préparer la bataille finale. J'allais dire naval, mais c'est pas grave. Créons d'abord le div. Il doit se trouver hors du jeu comme le cheval. Le div est un... Ah, on peut pas mettre le div est un monstre. Bah, ça n'existe pas pour une forme. Donc, D'accord, tu peux être donc. une personne, tu peux être animal pour une forme, c'est vraiment au sens large, comme un être D'accord. vivant avec lequel tu peux Créature, quoi. interagir. Ouais, voilà. Mais tu aurais pu dire une personne, ça aurait marché aussi, ou un homme, ou une femme. Enfin, Ouais, c'est encore une d'accord. fois, c'est un choix que toi, tu peux faire. D'accord. Le div est un... Ça peut être intéressant de le mettre dans une catégorie ou une autre par rapport aux règles générales que tu fais au C'est ça. début qui peuvent Et tu s'appliquer. pourrais créer une catégorie monstre en vérité, si tu voulais vraiment. Mais D'accord. comme si tu fais un jeu style Donjons et Dragons où il y a plein de monstres, où tous les monstres y réagissent de la même façon, un peu avec, c'est comme de combat ou quoi que ce soit, tu pourrais créer un type monstre. D'accord. Pour tes règles, après tu pourrais dire comme instead of attacking a monstre, ou c'est comme ça, mais pour notre jeu, c'est pas la peine. Oui, non. Ok. Mais c'est possible, une forme est flexible à ce niveau-là, donc Ouais, effectivement. mais ça a l'air assez souple, hein, ça, c'est cool. C'est quand même puissant, comme on dit, ça ressemble à du français et anglais, mais en vrai, c'est comme un vrai langage de programmation. On peut quand même faire plein Oui, de choses. ouais. Non, mais j'ai l'impression que quand je vois un peu sur le Discord ou le site et tout ça, j'ai l'impression que c'est un des logiciels préférés quand même. Bah, c'est un des gros, oui, qui existe. Il est Bah oui. populaire. Surtout Alors, en anglais, il y a beaucoup plus de français. ouais. La Donc, description est un démon sanguinaire à la face simiesque et aplatie qui ne vous fera pas de quartier. Comprendre monstre, démon ou sanguinaire comme le div. Alors, on va copier-coller ça. Dis donc, j'ai un bruit de torrent qui s'est enflammé là. Ça va me donner envie de pipi en plus. Alors. On va le mettre après la... Ah bah après le cimetière. Voilà. Donc là j'ai copié-collé. Le truc du div. Spécifions les événements liés à la scène. Donc, on va rajouter des trucs dans ce qu'on a copié-collé tout à l'heure.
Alors, when enfermé begins, où est-ce que je l'ai mis? Ah bah non, c'est qu'on le rajoute. Alors, enfermé, je l'ai mis là. À la suite. When enfermé begins, quand la scène commence, dire au moment où vous prenez l'arme, la porte donnant vers l'extérieur se referme. Maintenant, la porte de pierre est fermée. Maintenant, la porte de pierre est verrouillée. Ah, ça a l'air simple comme ça. Faut penser, faut juste y penser, quoi. On Ben, dit après, il faut juste la connaître, porte il faut de pierre savoir. est fermée et elle se ferme. Ouais, il faut connaître qu'une forme, les portes, une forme peuvent être par défaut fermées ou verrouillées. Ouais. Comme les fixer sur place ou les décoratifs, c'est comme fixer sur place ou décoratif, tous les objets peuvent l'avoir. Fermé, Ouais. verrouillé, ben, les portes peuvent l'avoir. Ouais. Et il va tout gérer lui-même comme il faut parce qu'il a des règles, une forme a déjà des règles concernant les portes qui sont fermées ou verrouillées, donc Ouais. Donc une fois que tu connais il le le fait pour nous. vocabulaire, en fait, les mots... C'est ça, une forme le gère pour nous, parce qu'il a déjà créé ces Ouais. adjectifs-là Donc derrière. faut juste bien connaître le vocabulaire, quoi. Alors, when enfermé and sadly. Dire vous ne pouvez plus respirer, cette crypte sera votre tombeau. Fin de l'histoire en disant vous êtes mort. When enfermé ends happily. Maintenant le div est dans l'oasis. Là on était dans la crypte et quand il ouvre la porte, le div s'en va dans l'oasis. C'est ça, pour Ok. préparer la bataille finale. Ah oui. Mais pour Ah oui, l'instant, parce on que peut là, pas ouvrir la porte. il est pas encore apparu. En Ouais, fait, c'est ça ça. Donc déclenche là, il son est juste nulle part. apparition. Là, on déclenche son apparition, ok. Et c'est quand Et il va comme on peut pas sortir. l'ouvrir encore, là. Oui, vas-y. Oui, c'est juste que c'est quand il va sortir de la crypte, il l'attaque pas directement. Il C'est l'attend dans ça, voilà. Il... Pendant... l'oasis. C'est ça. Ok. Et comme on ne peut pas ouvrir la porte en ce moment, on l'a juste mis qu'elle était fermée et verrouillée, ben on est obligé de mourir pour l'instant parce qu'on n'a pas encore Ah oui, écrit de on n'a survie pas mis de pour condition réagir. pour l'ouvrir. C'est ballot. Donc pour l'instant, il peut juste mourir. Pour Ouais, c'est. l'instant, il va juste mourir le Prince of Persia. On a une condition pour quand ça termine happily, mais on n'a pas mis les moyens pour que ça se fasse. C'est ça. Alors, l'instruction maintenant permet de changer un état dans le monde, rendre la porte fermée ou déplacer le div, par exemple. Affichons aussi un message à chaque tour pendant la scène pour indiquer au joueur que son temps est compté. Oh, et lui faire monter la pression. Une règle Every Turn s'exécute à chaque tour. Celle-ci en particulier s'exécute à chaque tour, mais seulement si enfermé est en cours. Ah oui, ça c'est un commentaire, j'allais dire, c'est ouf quand même. Every. Non, mais... Celle-ci en particulier. Every turn during enfermé, during signifie pendant. Dire, l'air commence à manquer. Ah, c'est dégueu. C'est cruel ça. Hein? Enfin, du coup, c'est bien, c'est vachement plus immersif pour les joueurs. Bah, ça, je le mettrais bien plus haut pour que ce soit. Je pense ça. Je sais pas si ça a une importance de le mettre à un endroit spécifique, mais. Comme on n'a qu'une seule règle, every turn, c'est pas grave. Ouais. Si on en avait plusieurs, ce serait plus grave parce qu'il faut être sûr qu'elle s'exécute dans l'ordre qu'il faut. Mais là, Ouais. moi, je l'aurais mis près de la scène enfermée, mais comme tu Oui, bah veux. c'est ce que je cherchais, mais... Où est-ce que je l'ai mis? Enfermé est une scène. Bah on va le mettre après, on va le mettre juste après les 10 tours, l'histoire des 10 tours là. Je l'ai mis juste après And sadly, when the time since enfermé began is 10 minutes. La scène est fonctionnelle, mais il faut donner un moyen aux joueurs d'ouvrir la porte. Ajoutons des murs dans la crypte avec des synonymes appropriés et récompensons le joueur qui les fouille en lui indiquant
qu'il y a un interstice entre deux pierres. Il faut que quand le joueur insère le cimeter dans l'interstice, la porte s'ouvre, ce qui terminera la scène. Lors de la conception de ce genre d'énigme, il est toujours bon de penser à donner au joueur toutes les informations dont il aura besoin, subtilement ou pas, même si elles peuvent sembler évidentes. Par exemple, si nous n'avions pas mentionné des murs dans la description, là, t'as un S qui traîne à description. Si nous n'avions pas mentionné les murs dans la description, oh, tu sais, des fois, on a beau lire et relire. Ouais, non, je sais, mais se dire qu'il y a plein de gens qui l'ont lu, le tuto, c'est quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais après, j'ai peut-être un œil aussi exercé. Je sais pas. Je fais que ça toute la journée, en fait. Enfin, je fais beaucoup ça toute la journée, de lire et de traquer les coquilles. Par exemple, si nous n'avions pas mentionné les murs dans la description de la crypte, le joueur n'aurait peut-être pas pensé à les toucher. Il n'aurait donc jamais trouvé la solution de l'énigme. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Je suis sûr que si j'avais essayé, j'aurais obtenu quelque chose comme ceci. Les murs sont des choses décoratives dans la crypte. Ah oui, choses décoratives, ça fait qu'on ne peut pas le prendre. Et qu'il n'est pas mentionné directement, genre vous pouvez Ah voir un oui, mur. et vous Ben, allez, voyez bon. un mur. La D'où le description. fait qu'on le mentionne dans la description de la crypte. Comment? Plutôt qu'avoir une phrase qui dit vous voyez des murs, Ouais. ben on ne le voit pas, puis c'est directement dans la description de la crypte. C'est Ah comme oui. dans les murs oppressants, je ne sais plus exactement. Quand un Ouais. truc fait partie du décor, on le met textuellement dans la description et il forme après, il ne voudra pas à le relister à la fin inutilement. Genre. Ouais. Mais c'est quand même mentionné pour les joueurs. Ben dans ta description que toi, tu as écrite manuellement dans ta Ouais. main, c'est La ça. description et les murs sont recouverts de carreaux en terre cuite qui représentent des dieux et des animaux fabuleux. Il y a également une partie qui est restée en pierre brute. Comprendre dieux, animaux fabuleux, murs, interstices, pierre ou pierre comme les murs. Donc là, si quelqu'un écrit Dieu, le logiciel qu'on traitera comme s'il avait écrit mur. Bah, il va, en tout cas, comme si ça va se référer à l'objet mur, oui. D'accord, il faut pas que tu aies des dieux ou C'est des animaux autre part dans la pièce, quoi. bah, si c'est le cas, il va dire voulez-vous parler du mur ou des Ah comme oui. enfin, ouais, mais il faut faire gaffe. Ah ouais, d'accord, il est quand même fort, hein. C'est parce que c'est un genre de technique en fait, parce qu'il y a marqué les murs sont couverts de carreaux qui représentent des dieux. Puis là, le joueur va dire tiens, ils ressemblent à quoi les dieux? Alors, Ah il va faire oui. examiner Dieu. Ah oui. Puis là, il aura la même description, il va se rendre compte, bon, bah, c'est pas important. Ouais. Ok. Ah, c'est subtil, hein. C'est comme genre de convention, comme si tu mets plusieurs actions qui remènent à la même description, c'est que c'est sûrement pas important parce que Ah ça oui. correspond à l'autre. D'accord. Mais s'il y avait une énigme avec un dieu, bah, tu aurais pu mettre un autre objet dieu, comme, hey, c'est dieu, un sur le mur, Ouais. comme, tu vois. D'accord. Ouais, ou ce dieu à l'œil qui brille particulièrement pour montrer qu'il pourrait avoir une pierre précieuse pour à la place de l'œil ou Ben un truc voilà. comme ça. Mais là, on veut juste dire que ça fait partie du mur, alors on Ouais, dit, bon, c'est c'est la la même chose, déco et du puis le joueur mur, quoi. comprendra. Ok. Ouais, et le joueur comprendra que c'est pas important. D'accord. Instead of searching or touching les murs, dire à un certain endroit, il y a un interstice plus marqué entre deux pierres. Alors, instead, en fait, ça veut dire quand il le fait. Parce que instead, pour moi, Le ça veut faire, c'est dire ça. au lieu de. Et du coup, c'est ça qui est perturbant pour moi. Ben, ça veut dire au lieu de, c'est comme au lieu de, si tu mets pas la règle et que tu mets touching des murs, le jeu va juste te dire vous ne sentez rien de particulier parce que c'est la réponse par défaut pour Ouais. l'action touchée. Mais si tu mets instead, c'est comme hey, au Ah lieu de toucher les oui. murs, ben, dis ça à la place. Ah Au fond, oui, tu les d'accord. C'est pas when. narrativement, tu les touches quand même. C'est comme narrativement, tu les touches quand même, mais du point de vue du jeu, ben, tu as court-circuité l'action pour dire ton message à toi en fait. D'accord. Ah oui, Mais effectivement, c'est subtil. oui. Mais En fait, effectivement, c'est vrai que le personnage, il a vraiment touché le mur. Je ouais, suis d'accord. ça pourrait Mais être l'action de when. toucher. Ouais, non, mais ça. Mais
Parce qu'il y a plein de règles, il y a le before, le instead et le after qui sont tous leur ordre particulier. Ouais. Enfin, ouais, il y a une subtilité, Ouais. effectivement. C'est ça qui est un peu Mais déroutant. Mais faut, je pense qu'après, une fois que c'est devenu automatique, on se pose plus la question. Oui, on ne pense même plus à la signification, c'est juste Ouais, c'est fait ça. instead of. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment, tu court-circuites l'action pour ton message. D'accord. Alors, instead of inserting le cimeter into les murs, si la porte de pierre est verrouillée, alors la porte s'ouvre. Dire, vous glissez votre cimeter dans l'interstice entre les deux pierres et la porte est de nouveau ouverte. Maintenant, la porte de pierre est déverrouillée. Maintenant, la porte de pierre est ouverte. Sinon, rien ne se passe. Dire, il ne se passe rien de spécial. Il est aussi possible d'ajouter des synonymes à une action pour permettre plus de choix aux joueurs. Comprendre, planter cimeter dans quelque chose ou glisser cimeter dans quelque chose comme inserting it into. C'est ça. C'est comme l'action, c'est inserting it into, puis on vient de créer une nouvelle commande pour D'accord. cette action. Alors on va copier-coller, puis on va tester. Alors, c'est tout bon. Alors, on va essayer. Oh oui, on va Alors, faire nourrir on le. a dit qu'elle était où la crypte, qu'elle était au sud. Voilà, on est dans la crypte. Prendre. Du coup, ça y est, je m'économise l'article. Prendre cimetière. Oh! Oh là là! Je suis tombé direct sur l'air commence à manquer. Ce sabre légendaire vous avez toujours fasciné. Maintenant, vous pouvez enfin mettre la main dessus. Bon, ben finalement, c'est pas si impressionnant que cela de porter ce Ah, sabre. Mais qu'est-ce qu'il est ça, c'est lourd! la vieille règle qui est Ah oui! restée. Au moment où vous prenez l'arme, la porte donnant vers l'extérieur se referme. L'air commence à manquer. Alors Et là, du à moins, côté, j'ai on cliqué sans faire exprès sur. Alors tu vas pouvoir me dire comment on dit skine ou skin. Ah oui, le Skyne, oui, bah, Skine. c'est. Ouais, Donc ouais. ça fait comme une arborescence. Mais c'est comme toutes tes parties que tu as jouées jusqu'à maintenant. En fait. Ah, d'accord. Mais ça peut, comme ça, tu peux refaire une ancienne partie que tu avais faite ou C'est quelque que chose, c'est mais moins la ancienne. forme de sauvegarde. C'est pour le test, comme tu peux tester plusieurs parties, comme Ouais. voir ce qui est. Ah, et je peux Mais moi, je revenir ne sais sur une jamais. ancienne. Ouais, c'est ça, tu Alors. peux refaire une ancienne partie ou des trucs comme ça. Mais moi, je m'en D'accord. sers jamais. Ok. Parce qu'après beaucoup de parties, ça deviendra très très grand et c'est un peu fatigant, mais ouais. Ouais. Alors, on avait dit. Donc là, l'air commence à manquer. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Ouvrir la Attendre, puis porte. t'attends. Ah ouais, bah on va jusqu'à la mort. Ouvrir la porte, vous ne revoyez rien de tel à moins que cela ne soit sans grande importance. Mmh, Ah, on quand n'a pas. même. Porte de pierre, il fallait mettre. On n'a pas mis, on aurait dû mettre comprendre porte comme porte de pierre. Bah, je pense normalement ça devrait être mis, ouais. Peut-être qu'on l'a oublié, c'est possible. Ah, Alors t'as attends. écrit porte. Oui? Bah, comprendre porte, seuil ou crypte comme porte de pierre, on l'a mis Oui, mais pourtant. t'as écrit porte. T'as écrit porte dans Ah! la commande. Moi Ah aussi, bah je vois c'est les pour coquilles. ça! Ah bah oui, ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Oui, toi aussi tu vois les coquilles, dis donc. La porte est trop lourde pour vous, l'air commence à manquer. Par contre, vous ne voyez rien de tel, il m'a pas redit l'air commence à manquer. Je sais pas s'il m'a compté un tour. Ouais, c'est non, parce qu'il. Ce serait vraiment méchant si tu les comptes à tour juste parce que tu as fait une faute de Ah frappe. oui, d'accord. Alors, par défaut, une forme, il dit juste, bon, tu as fait une faute de frappe, c'est comme si Ouais, c'était rien passé dans le jeu. d'accord. On va faire attendre. Oh là là, le temps passe. L'air commence à manquer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Frapper la Ben, les porte. murs.
Ouais, voilà, ça par défaut, la violence n'est pas. La violence n'est pas une solution. Là, par exemple, ce serait un bon truc pour dire, genre, ah, on pourrait racheter une règle pour dire, ah, vous frappez la porte pour essayer de la casser, mais vous n'y arrivez pas, mettons. C'est Ouais, comme et là. on pourrait même Ça casser le cimetière et du coup il peut plus sortir et c'est la mort assurée. serait vraiment méchant. Ce serait Mais méchant, c'est mais ça. on pourrait le faire. On pourrait. Ce serait, ouais, ce serait sadique. Donc examiner les murs, parce qu'on va partir du principe que j'avais lu la description et que ça parlait des murs. Bah ça me l'a pas mis, hein. Ah bah Il faut non, c'est fouiller les seulement murs si après. on examine, oui, là il dit les murs oppressants au début, ouais. Examiner murs. Les murs sont recouverts de carreaux en terre cuite qui représentent des dieux et des animaux fabuleux. Il y a une partie qui est restée en pierre brute. Eh ben, je les ai examinés. Il me dit Ensuite, il pas. faut faire fouiller les murs. Ah, c'est fouillé! Fouiller ou toucher les murs. Ah ouais, il Ben, faut pas juste les regarder. c'est vrai que c'est pas très gentil, mais pourquoi pas? Et quand on est habitué à jouer, on connaît les actions qu'il Ouais. faut, c'est en général, c'est ça. Ouais, parce que là, moi, c'est j'ai examiné, c'est bon, quoi. Examiner par défaut, c'est juste avoir la description du mur, Regardez, c'est tout. ouais. À un certain endroit, il y a un interstice. Alors. Et on peut peut-être attendre de mourir juste pour le tester. Oui. Alors, on va faire ça. D'accord, mourons. Si je fais la flèche du haut, ça marche, oui. Le temps passe. Le temps passe, l'air commence à... Oh, vous êtes mort! Voulez-vous recommencer, charger? Quitter ou Là, tu es annuler? Bah ouais, annulé. on va faire annuler. Et là, on En va fait, tu peux faire... faire quand tu veux. Hein? C'est pas obligé de faire à la fin, tu peux faire annuler quand tu veux si jamais tu fais une Ah, erreur. d'accord. C'est comme considéré comme un droit fondamental du joueur. D'accord, on peut annuler une Si action. tu le désactives, cette fonctionnalité, et ben il y a plein de joueurs qui vont t'écrire et te dire hey, mais c'est pas normal, et tu vas recevoir des menaces de mort ou des trucs comme ça. Non, mais c'est presque pas des blagues. C'est vraiment un droit fondamental du joueur. D'accord, bon bah je note ça quelque part en rouge, en gras souligné. Ok, des menaces de mort, carrément. Ben, C'est j'exagère un tentant. peu, je pense, mais c'est Du coup, c'est tentant pour vérifier. Du coup, il faut qu'on fasse insérer le ouais, ou cimetière. mettre ou le planter Moi, comme on l'a écrit, c'est. je mets les articles, hein. J'y peux rien. Ouais, non, mais c'est l'habitude, hein. À un Suis moment, pas t'en encore seras blasé. fatigué. Vous glissez. Ah, ouf. Ouf, c'est bon, on respire. Et normalement, le div devrait être là maintenant. Ah oui, il faut qu'on retourne dans l'oasis. Si je mets oasis, il Mais m'y il va mettre. emmène ou il vaut mieux que je fasse non? Non, faut faire nord. Non. Ou sortir, parce qu'on avait écrit une action Ouais. spéciale. Vous pouvez voir une porte de Et puis là, pierre, un div, un dromadaire et un palmier. le div, il sert à rien, parce qu'on n'a rien fait avec Oui, lui, on n'a mais. rien fait avec, mais... Attends, la forêt, Oui, là. elle est à l'est. Je vais essayer pour voir si ça marche bien aussi. Oh là, autant rester, essayer de trouver votre choix. Ouais, il veut pas qu'on y aille. Alors, on continue la bataille finale. Ouh. On a presque un jeu là. Attention, hein. J'ai même déjà des petites idées pour l'améliorer. T'as vu, moi, je te fais casser le cimetière quand tu tapes sur la porte et paf. Alors, nous sommes prêts pour la dernière partie du jeu, le combat contre le div. On n'a pas non plus trouvé le cheval. Ah, c'est quand on bat le div, peut-être. Nous aurons besoin d'un moyen de savoir où en est rendu le combat. Pour cela, nous allons créer une nouvelle propriété pour notre div. Il s'agira d'un nombre que nous appellerons attaque. Le div has a number called attaque. L'attaque du div est 1. Ça va être pas fort. Il faut aussi faire, sauf si on a un point de vie, bon bah là c'est suffisamment fort. Il faut aussi faire gagner le joueur quand il monte sur son cheval. Instead of climbing or entering le cheval, ça me fait toujours un petit quelque chose, hein. Dire vous remontez sur votre cheval et vous retournez enfin à votre palais, fin définitive de l'histoire. Mais le cheval, il n'y est pas.
Pas encore, mais tu sais, on peut mettre la Ah, règle si on veut. d'accord. On pourra juste pas la tester. D'accord. Alors, enfin la scène finale. Elle commence quand le joueur et le div se trouvent dans l'oasis. Nous affichons alors un message qui indique que le div se rue sur le joueur. Ouh. Elle se termine quand le div est mort. Nous déplaçons alors le cheval dans l'oasis pour que le joueur puisse terminer le jeu. Ah oui, donc même si le div est mort, tant qu'il monte pas sur son cheval, c'est pas fini. Il peut retourner examiner la crypte à C'est ça. l'infini. Ce qui est une bonne chose, si notre jeu est plus comme grand, ben on peut mettre des petits secrets ou s'il veut explorer un petit peu, ce Ouais. genre de choses. À chaque tour, durant la bataille, et si le joueur est dans l'oasis, l'attaque du div augmente, ouh, de 1, et si elle est plus petite que 4, et un petit texte indiquant qu'il attaque le joueur est affiché. Si l'attaque du div est plus grande que 4, il dévore le joueur et l'attaque est finie. Ouh! Ah ouais, donc t'as 4 tours pour le buter, quoi. Pour battre le div, le joueur doit l'attaquer avec le cimeter. S'il ne possède pas l'arme, on lui indique qu'il n'arrivera pas à grand-chose. S'il la possède, l'attaque du div est diminuée de 2. Le div meurt si son attaque est inférieure à 0. N'oubliez pas la propriété mort. Il nous manque cependant encore quelques notions. Il nous faut comparer les nombres. Si l'attaque du div est inférieure à 0, si l'attaque du div est supérieure à 4. Et pour changer un nombre, augmenter l'attaque du div de 1, diminuer l'attaque du div de 2. Enfin, pour ne pas afficher le même texte plusieurs fois à la suite et ne pas ennuyer le joueur, voici une petite astuce. Dire parmi... Ah, on peut mettre plusieurs phrases et il en choisit une aléatoirement. Voilà, c'est ça. D'accord. Dire parmi. La lame s'élève dans les airs, légère comme une flamme et retombe sur le div, le blessant gravement. Ou vous fendez comme si vous étiez le vent. Vous fendez l'air, non? Ou fendez. Bah, je pense que c'est fendre comme terme d'escrime. Ah oui, d'accord. Comme se fendre. Ah, mais c'est Ah peut-être moi, se fendre dans ce cas. Ah, je sais pas, je connais bien pas. vu. Mais c'est peut-être se fendre. Vous Faut fendez bien comme si relire. vous étiez le vent, perçant votre ennemi et réduisant ses attaques à néant. Vous vous battez bien, vous sentez votre avantage. Cette structure est analogue à si, condition, fin si. La première fois, la lame s'élève dans les airs, légère comme une flamme et retombe sur le div, le blessant gravement, sera affichée, puis ce sera vous fendez comme si vous êtes... Ah oui, il les dit dans l'ordre en fait. Bah, dans ce cas-ci, oui, mais on peut changer. C'est à cause du stoppant. Le stoppant va juste dire l'une après l'autre, mais on Ah. s'arrête à la dernière et c'est la dernière qu'on va répéter. D'accord. Mais tu aurais pu mettre au hasard, puis ça aurait marché. À place de stoppant, si tu mets au hasard, je pense que À la place de ça fera stoppant au totalement. hasard et il en choisit une. Au hasard, c'est ça. D'accord. C'est Intéressant. comme. Il y a des nuances en fonction de ce que tu veux. Tu pourrais Ouais. mettre. Cycling, je pense, il va juste les faire les uns après les autres et puis retourner au début, puis les faire les uns après les Ouais. autres et retourner au début. Il y a plusieurs façons de le faire. Genre random, ça marcherait. Ce serait at random, je pense, en anglais. Ouais. Mais dans ce cas-ci, ce serait stoppant, oui. Ce serait ou au hasard. Au hasard, ok. Parce que là, c'est la tournure française. Mais voilà. Après, Mais l'exemple est très bon. ouais, ok. Après cela, le message vous battez bien, vous sentez votre avantage sera toujours montré. Les différents textes séparés par ou entre parmi et stoppant seront donc affichés de manière séquentielle. Et voilà, nous sommes en mesure de terminer l'écriture de notre jeu. De terminer de copier-coller. Ouais, mais je le lis quand même, donc c'est comme si je Non, non, je comprends, je comprends. l'écrivais. Non, mais imagine si je le tapais, il est déjà 23h. Ben, Alors. ouais, c'est juste que. Hein? Non, non, c'est juste que moi je suis au Canada, ça fait que pour moi il est 17h. Ah oui! Ouais, que moi, il est 23h, donc bon. Non, et puis ça fait déjà donc du coup 2h, alors si je devais le taper, Oui. on y serait encore qu'au Non, début. non, Bataille est une scène. Bataille begins when le player est dans l'oasis et le div est dans l'oasis. Bataille ends when le div est mort.
When bataille begins, dire le div fonce vers vous. Nous avons ici des conditions imbriquées. Assurez-vous de bien comprendre ce qui se passe et quand. Every turn during bataille, si le player. Donc à chaque fois que c'est l'indentation qui va montrer les. Non, c'est juste pour faire joli ou non, c'est pour donner un ordre. Non, ça, c'est l'indentation qui va. C'est l'indentation qui va choisir. D'accord. Mais il vaut mieux le copier peut-être dans Inform parce que des fois l'indentation n'est pas très belle sur le site. Quand les phrases sont trop longues, Ah pour oui. entrer, elle va revenir à zéro. Alors, attends. Non, ça, je vais le mettre à la fin. Ah non. Oui, si. Non. On va mettre après le div. Alors. Every turn during bataille, si le player est dans l'oasis, si l'attaque du div est inférieure. Ah oui. Et les conditions équivalentes, il faut les mettre au même niveau d'indentation. Ouais, c'est juste que là, il y a un cas s'il est dans l'oasis, parce qu'on s'en fiche s'il n'est pas dans l'oasis, ben, Oui. il ne se passe rien, parce que le div n'est pas là. Et puis dans le cas où il est dans l'oasis, il y a plusieurs Il y a sous-conditions, encore une c'est ça. condition. Ouais. Si l'attaque du div est inférieure à 4, dire parmi, vous ferez bien de trouver un moyen de vaincre ce monstre. Il fait tournoyer son poing au-dessus de sa tête. Il pousse un grognement hideux, stoppant. Donc là, il va les dire dans l'ordre. Et augmenter l'attaque du div de 1. Sinon, dire il finit par vous attraper et vous dévorer. Fin de l'histoire en disant vous êtes mort. Ok. Donc le sinon, si c'est pas inférieur à 4. Ouais. Instead of attacking le div, si le player porte le cimeter, dire la lame s'élève dans les airs, nanana, bon, on les a déjà lus. Diminuer l'attaque du div de 2. Si l'attaque du div est inférieure à 0, maintenant le div est mort. Sinon, maintenant l'attaque du div est 4 accélère la fin du joueur. Dire vous n'irez pas Si loin on n'a avec pas le vos. cimetière. Hein? Si on n'a pas le cimetière. Oui. Si on n'a pas le cimeter, il est direct à 4, donc le tour d'après, il nous bouffe, quoi. C'est ça. Vous n'irez pas loin avec vos petits points. When bataille ends, dire le monstre s'écroule lourdement sans vie, dire votre cheval arrive enfin, mais après la bataille, maintenant le cheval est dans l'oasis. Ah bah le v'là. Instead of climbing or entering le dromadaire. Ah bah non, ça c'est ce que j'avais déjà tapé. Ah, c'était. Puis là, on a un jeu complet. Voilà. Donc c'est bon. Version finale de notre jeu. Voici pour résumer le. Oh bah tu remets tout à la fin. Non. Mais J'aurais c'était pu pour juste. montrer à quel point on a. J'aurais pu juste copier-coller la fin. Oh bah après on va vérifier que dans tout. Mais du coup c'est bien parce que moi j'ai pas la belle les parties là. Je suis pas Oui, dans bon, l'ordre et c'est tout et on pas. va voir que ça si ça marche quand même. Donc c'est cool. Voici pour C'est ça, résumer ouais, le c'est ce code qui est important. complet que nous venons d'écrire avec commentaires additionnels pour vous permettre de bien comprendre. Bah, on n'est pas obligé de tout lire. Non, on va pas On peut tout juste le lire. passer. On va le scroller, c'est long, c'est long. On Et va on a écrit tout vérifier. ça. Eh oui, on a écrit, copier-coller tout ça. Alors, une petite compilation. Oh, une petite erreur. Each time go or replay is clicked, Inform tries to translate the source text. Zut, zut, ça c'est une grosse erreur, oui, attends. Ah, Il y a un gros. une grosse Ça erreur. c'est pas normal. Tu vois, comme quoi j'ai pas ton code propre. Non, mais je veux juste savoir c'est quoi l'erreur, mais là je suis en retard sur la vidéo. Ça doit être Problème. Bah, ouais, une erreur interne. In the sentence, si l'attaque du div est inférieure à 4, I was Ah bon, ok, c'est expecting rien. to read a condition, but instead found some text Est-ce que I. tu as mis. Est-ce que Ah! tu as mis que le diff avait une attaque? Ah! C'est comme the div has an at Attends, number parce cause qu'il me attack. dit aussi. Il lui manque le. Il n'y a pas l'attaque du div est inférieure à 4, mais pourtant j'ai juste copié-collé. Oui, mais c'est est-ce que le div a une attaque? Est-ce que tu as mis Ah non, the j'ai div has peut-être a number oublié cause de attack? mettre. Attends.
C'est peut-être ça qui manque. Comme tu dis, hey, diminue l'attaque du div de 2, mais au fond, il n'a pas d'attaque, Eh donc il sait pas oui. quoi faire, une forme en fait. Alors attends, je vais faire contrôle F div. Alors le div est dans l'oasis, le div est mort, le div fonce vers vous, l'attaque du div est inférieure à 4, l'attaque du div truc truc. Eh ben non. J'ai oublié de mettre son attaque. Et donc il n'a pas d'attaque et donc Inform n'est pas content. Et ben Voilà. voilà, alors je remonte, je re-scroll, crawl, crawl. Ah mais en fait il y a toute cette partie-là. Même instead of climbing or entering le cheval, je l'ai pas mis. Alors, Bon le ben on peut div. pas gagner alors. Ah bah voilà. Du coup, moi, je n'ai pas vraiment le jeu complet. Alors, le div, il est où le début du div? Le div est un animal. La description. Voilà, l'attaque du div est 1. Ça, c'est bon. Et le cheval? Où est-ce qu'on le met le cheval? On va le mettre là. Alors, on retente. Et ça fonctionne. Succeeded. Alors, story. Est-ce qu'on arrive à le finir? Alors, on va dans la crypte. Non, c'est au sud. J'ai quelque chose qui a fait du bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Une momie. Ah ouais, non, la momie, elle se réveille pas. Je suis déçue. Ben c'est comme pour la suite du jeu ou quelque chose. Ah oui. On peut la faire se réveiller si on veut. Alors, prendre cimetière. Oh, l'air commence à manquer. Search. Non. Search, ça marchera aussi, Ça c'est juste le verbe marche? en anglais. Ouais, on a gardé les verbes en anglais au cas où, mais. D'accord. Par contre, j'ai des... Comme. Oui? Non, puisque une partie non négligeable de notre public est anglophone, alors Ah comme oui! bah, si jamais un Anglais veut essayer nos jeux, bah, au moins il ne sera pas perdu, c'est D'accord. l'idée. L'air commence à manquer. Alors j'ai repéré l'interstice inséré cimetière. Si je mets juste inséré, non, il faut que je mette dans le mur. Si tu mets, il va te dire dans quoi, enfin Ah oui. préciser dans quoi voulez-vous. Bah t'as qu'à essayer en fait. Ouais, bah trop tard. Attends, je vais faire annuler. Insérer cimetière. Vous ne pouvez pas mettre un objet à l'intérieur de lui-même. Bah, je pense que par défaut, il prend le cimetière lui-même, genre. Ouais. J'en viens, ça. Voilà, la Comme des porte. fois, une forme essaie de deviner, puis il a mal deviné. Ouais. La porte est de nouveau ouverte. Oh, le div fonce sur vous. Vous feriez bien d'essayer de trouver un moyen de vaincre ce monstre. Attaquer. La violence n'est pas... Ah, il a compris attaquer le cimetière. Bizarre. Attaquer div... Ouais, il m'écrit attaquer le Il cimetière entre ouais, parenthèses. y a moyen. Ouais, ça, il précise qu'est-ce qu'il a choisi automatiquement. Mais il y a moyen de contrôler ça aussi, mais ce n'est pas important pour un Ouais. petit jeu. Comme il y a moyen de lui dire, hey, quand on attaque, c'est en général, c'est le div. Et puis il va choisir le div à la place du cimetière. Ouais. Oui, parce que là, il a choisi cimetière. Alors, faut que je refasse attaquer Div. Ah, le monstre s'écroule lourdement. Sans vie, votre cheval arrive enfin, mais après la bataille. Donc là, je vais faire monter le cheval
Vous remontez sur votre cheval et retournez enfin à votre palais. On peut annuler une seule action? Autant que tu veux, Autant en que... fonction de la mémoire. Comme ici, ça remonte très très loin, il va te dire non, on n'a pas pris ça en mémoire, mais sinon on peut remonter. Ouais. Autant qu'on veut. Alors, je vais essayer de remonter. Ah, n'est pas autorisé. Et Je sais. plutôt que. Oui. Oui? Non, mais plutôt que demander, le mieux c'est juste d'essayer en fait. Comme... Ouais. C'est quand même. L'utilisation de la commande annulée n'est pas autorisée dans ce jeu. Donc là, j'ai pu le faire Ah, 1, ça c'est un 2, bug, ça. 3, C'est 4, bizarre. 5, 6, 7, Ouais. 8. Ça dépend de l'interpréteur, genre de l'ordinateur. Enfin, ça dépend vraiment de la mémoire que le logiciel a Ouais. allouée pour le. En fait, il sauvegarde le jeu à chaque tour et bah, il ne peut pas sauvegarder non plus 1000 tours parce qu'on a Ouais. trop de mémoire, alors Ben il a oui. une. Du coup, je sais plus si là, je sais plus où je suis et à quelle étape, parce qu'il me dit juste crypte action précédente annulée. Alors, Bah, tu cliques comme I, puis tu regardes si tu as ton cimetière ou des trucs du genre. Tu fais R pour tu fais hein, vous regarder avez quand un tu as. cimetière, l'air commence à manquer. Bon, c'est pendant la. Alors, insérer cimetière dans le mur. C'est bon, je vais faire. Là, je vais me suicider. Hein. Tu poses le cimetière et. Lâcher la cime. Oh! J'ai mal écrit. Tu peux Cime. mettre lâcher épée ou quelque chose, c'est trop long. On a mis des synonymes pour aider le joueur. Oui, voilà qui est fait. Alors, je vais retourner dans l'eau. Ah, je me fais attaquer! Attaquer Div. Ah, oh, vous êtes mort. Il finit par vous attraper. Vous n'irez pas loin avec vos petits poings. Il finit par vous attraper et vous dévorer. Vous êtes mort. Et ben voilà, ça marche. Alors, il y avait une On a un petite. jeu tout seul. Ouais. On avait la conclusion à lire. Et oui, nous avons écrit tout ça. Et pourtant, il est encore possible d'améliorer beaucoup de choses. Par exemple, il manque un plan d'eau dans cette oasis. Vous pouvez vous en charger vous-même. Vous pourrez par exemple traiter l'eau comme le sable et rajouter en plus les exceptions si le joueur essaye de la boire ou d'y entrer. Une fois que vous serez satisfait de votre fiction interactive, il sera temps de la faire tester. Et là, quand on Et clique. donc, la dernière partie est assez courte. C'est vraiment juste comment tester son jeu, puis des trucs pour comme comment la publier et des choses du genre. C'est pas D'accord. plus de code. Plus de Cool. code. Alors, écrire une fiction interactive partie 4, diffusons notre jeu. Testons. Il serait bête de diffuser un jeu qui ne fonctionne pas comme prévu. Testez-le bien, puis demandez à d'autres personnes d'essayer votre petite aventure. Vous n'avez pas lu la partie précédente. La précédente partie, elle est ici. Alors, c'est là que le Discord de fiction interactive, il peut être utile. Non, il y a, on peut Oui, demander de la exactement. bêta test sur le for sur le Discord. Oui, bah sur où on veut, nous on est ravis d'aider, mais D'accord. Donc bah encore forum une fois, Discord. en fonction de c'est ça, en fonction du temps des gens et tout, parce qu'encore une fois, c'est comme bah, tu sais, on fait ça pour aider et pas pour de l'argent ou quoi que ce Ouais. soit. Alors, mais on fait aussi ça pour l'argent si jamais il est gentil. Et idéalement, ce serait bien de mettre une petite action comme qui liste les crédits des gens qui ont testé par comme. Oui. C'est politesse, c'est la moindre Ouais. des choses. Mais ouais, c'est ça. Ok. Il serait bête de diffuser ça, on l'a lu. Les privilèges du démiurge. En tant qu'auteur, nous avons la possibilité de faire des choses qu'un joueur normal ne pourrait pas. En voici un aperçu. Test me. Il est possible de tester le cheminement du joueur à travers. Au travers de certaines commandes pour vérifier rapidement que le jeu est finissable ou pour atteindre instantanément certaines zones ou certains objets. Oh, la triche. Le God Mode. La procédure de test automatique implique de rajouter dans le code cette partie. Test me with, aller au sud, prendre le cimetière, fouiller les murs, mettre la lame dans l'interstice, sortir, attaquer le div, encore, monter sur le cheval. Ainsi, durant le jeu, en tapant Test Me, chaque commande sera automatiquement tapée
les unes à la suite des autres. Nous pouvons également créer des batteries de tests pour tester différentes parties du jeu. Test me with test 1, test 2, test 3. Test 1 with aller au sud, prendre le cimetière. Test 2 with ouvrir la porte, frapper la porte. Test 3 with toucher la momie, fouiller les murs. Ces commandes de débogage ne seront bien entendu pas disponibles lorsque le jeu final sera sorti, voire plus bas. Test me est très utile pour vérifier qu'un jeu peut se dérouler correctement d'un bout à l'autre jusqu'à la victoire. Déplacer des objets. En jeu, l'auteur peut utiliser la commande gonir objet pour se déplacer instantanément dans un endroit ou dans le même endroit que l'objet donné. Dans la phase de test, pas une fois le jeu. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu fais gonir cimetière et pouf, tu te retrouves dans la crypte magiquement. Ah. C'est jamais c'est un grand jeu avec un grand monde et que tu veux pas faire toutes les actions qui mènent à Ouais. l'endroit et tu veux juste tester l'endroit s'il fonctionne bien, c'est ça. Ouais, tu peux squeezer la moitié des actions, quoi. À l'inverse, pur loin, objet. Ben, Pearl Ouais, Line, ah pardon, Pearl, Pearl. Ouais, parce que pur loin, c'est moins joli. Pearl permet de mettre dans son inventaire n'importe quel objet que l'on veut tester durant la conception du jeu. C'est des trucs bon, de gros Pearl Line, tricheur. cimetière et pouf. Ouais. Truc de gros tricheur. Dans un petit jeu comme le nôtre, cela n'est pas forcément très utile, mais cela peut l'être si par exemple on souhaite tester un objet sans avoir à faire à chaque fois toutes les étapes permettant de l'obtenir. J'avoue. Publier son jeu. Lorsque votre jeu est prêt, il vous suffit de cliquer sur le bouton Release en haut à gauche de la fenêtre. En haut à gauche. Il est caché par source. Ben, là, il y a un Il onglet. y a un bouton, il y a le bouton rouge, le carré, Ouais. Ah oui, d'accord. et il y a un bouton violet. C'est le bout de bouton violet. Je le vois là. Mais pourquoi c'est... Ah, c'est parce que j'ai réduit ma fenêtre. Ouais, Non? je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Bah... Mais c'est ça. Si tu cliques dessus, ça va juste générer un fichier avec tout ton jeu et tout Ouais, comme il bah faut. là, Si tu veux le j'ai tester dans le... beau agrandir ma fenêtre, il reste... Bah, tant pis. Les gens le feront. Voilà. C'est laissé comme exercice au visionneur. J'essaye de récupérer une fenêtre potable. Donc c'est là un petit rond violet. Est-ce qu'on le voit sur le petit rond violet? Ben, on voit un petit bout. Ouais. Si on Ah. peut prendre le menu Release, ça marche aussi, effectivement. Soit tu cliques sur le petit bouton violet, soit tu vas dans le menu Release, puis il y a un menu Release, machin. Ouais, là j'ai vu le menu C'est comme on veut, le rond est plus release. rapide, c'est tout. D'accord. Et là du coup, il n'y a plus qu'à le nommer, l'enregistrer. Alors, en haut à gauche, un fichier de jeu sera créé dans le dossier sable.material, situé au même endroit que votre projet. Si vous voulez rendre votre jeu plus attrayant, vous pouvez ajouter dans ce même dossier une image au format JPG ou PNG nommée cover.jpg ou cover.png. Elle servira de couverture à votre fiction interactive. Le manuel recommande une taille de 960 par 960 pixels et vous devez également fournir une version plus petite de 120 par 120 pixels nommée Small Cover. Il ne vous reste plus qu'à ajouter dans votre code la ligne Release along with cover art, description de la couverture. Description... C'est-à-dire que là, il faut décrire la couverture. Mais c'est pour les malvoyants ou les gens qui Ah utilisent oui, un lecteur d'accord. d'écran, ce genre de choses. D'accord, C'est c'est comme, mettons. le... Oui, le texte alternatif. Ouais, c'est ça. Ben, un développeur web en plus, incroyable. Ok. Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, un démon persan brandissant, tu sais, Ouais. avec marqué sable. Je sais pas, D'accord. c'est.
description. Mais nous, on a l'image par défaut qui est un genre de livre. Ok. Le texte en tombe. Ah bah oui, non mais comme la dernière fois en fait, je pose des questions alors que j'ai la réponse, la ligne en dessous. Le texte entre parenthèses est utilisé pour les malvoyants afin qu'ils puissent savoir de quoi a l'air la couverture. Ne piquez pas d'image sur Google. Créez votre couverture vous-même. Demandez à une connaissance de la faire ou prenez des images dont la licence vous le permet. Si tout se passe bien, vous vous retrouverez avec un fichier sable.gblorb. Oui, j'ai blanc, on va dire, mais ouais. Non, mais je pense que ça se prononce comme ça. Moi, j'aime bien Et la... Gblorb. Mais c'est culturel. C'est comme dans un des premiers. C'est dans un des premiers jeux textuels comme ça, il y avait un sort qui s'appelait Blorb. Puis Blorb, c'était comme ranger quelque chose dans une boîte solide, un truc du genre. C'était un sort qui permettait de faire ça dans le D'accord. jeu. Puis ouais. Et le G, c'est parce que c'est au format Glux. Puis c'est pareil, c'est comme des noms bizarres. Ouais. Ouais, mais parce que moi j'ai beaucoup Hein? joué sur un jeu qui s'appelle Bouzouk.net. Et du coup, ce genre de mots tout bizarre, le nom de la ville, c'est. Ça s'écrit. Attends, je vais te l'écrire sur le Discord. Parce que c'est imprononçable. Ben, c'est ça. Comme je dis, nous, c'est culturel. Les vieux jeux anglophones, ils avaient des mots comme ça. Alors maintenant, il y a comme une tendance à avoir fait ça. Voilà, ça s'écrit comme ça, le nom de la ville. Là, il y a comme Si tu un vois sur message le. que personne ne va comprendre pourquoi il est là, mais Ouais, bah je l'effacerai après. Donc du coup, tu vois, c'est imprononçable. Donc j'ai déjà essayé. Hein, on est nombreux à avoir essayé. Ça donne des choses assez. Donc voilà. Du coup, Gblurb, ça me choquait pas. J'avoue, ça me choquait pas. Alors, je supprime. Alors. On en était à sable.gblorb. Ce fichier contient votre jeu, sa couverture et d'autres données importantes comme son numéro d'identification unique. Il existe deux moyens de l'ouvrir. Site internet. Sur internet, pardon. Écrivez la ligne suivante dans votre source. Release along with an interpreter. Ou si vous avez aussi une couverture. Release along with an interpreter and cover art. Description de la couverture. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Release, un mini-site internet contenant tout ce qu'il faut pour jouer à votre fiction interactive en ligne sera créé dans Sable Materials. Il vous suffira de placer ce site sur un serveur, par exemple sur votre blog, sur votre ordinateur. Vous aurez besoin d'un interpréteur. Il s'agit d'un logiciel qui va vous permettre de lire votre jeu. Comme un lecteur vidéo vous permet de lire un fichier MP4. Un bon interpréteur est le logiciel Lectrot qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux. Pour d'autres interpréteurs, allez voir sur notre page d'aide dédiée. Et si vos joueurs préfèrent ne rien avoir à installer, il reste la version en ligne. C'est pas ce qui se fait quand on fait le mini-site internet là? C'est ça, ouais. Ouais. C'est comme soit on peut le faire en ligne, soit la version normale où le joueur peut Le l'ouvrir avec un logiciel télécharge, spécial. ouais. C'est comme les gens préfèrent. Ouais. Bon, en ligne, ça me semble plus simple quand même. Mais il y a des gens qui aiment bien avoir leur propre interpréteur, qui peuvent comment modifier la police ou la taille du texte, ce Ah genre de oui, choses. Donc d'accord. Ouais. ça dépend des gens. Ah ouais. Puis après, sur Internet, il faut aussi pouvoir. Bah, j'allais dire, faut pouvoir l'héberger, mais quand tu mets le Non, il y a truc plein à de. télécharger, c'est pareil. Mais tu peux aussi mettre la page HTML à télécharger en zip, et puis lui, il va juste ouvrir la page HTML de son ordinateur, mais c'est pareil. Ouais. Ok. Alors, le format Oui, c'est des trucs Glulx. techniques, on peut. Le format Glulx. Extension .ulx ou gblorb est en fait interprété par une machine virtuelle à l'instar d'une programmation en Java. Et des interpréteurs pour cette machine existent pour presque toutes les plateformes existantes.
Le gros avantage, c'est qu'en plus de pouvoir être interprété dans un navigateur, c'est le même fichier qui pourrait être redistribué sur tous les systèmes d'exploitation à la fois, nul besoin de recompiler une version différente pour chaque OS. Oh, pardon. Pour aller plus loin, félicitations, vous êtes Bah, merci. arrivé au bout de ce tutoriel. Ouais! Bravo à moi, bravo à nous. Alors, du coup, si je fais juste un clic, ça va pas me le... Ouais, j'ai pas fait avec le... Release Long with an Ouais, interpreter je l'ai pas with f... a... Ouais, je l'ai pas fait avec le truc d'internet. Je l'ai juste fait release et en fait, quand tu fais release... Ben là, tu rajoutes comme un gblob ou un Hulks qu'il faudra comme il faudra que tu cherches un interpréteur à côté. Ouais, mais du coup, je peux, j'ai pas ça. Alors, je vais juste remonter tout en haut. Je vais rajouter ça. Oh, bah maintenant, il n'est pas d'accord. Il me dit qu'il y a une faute. Release the long. Ah oui, parce que j'ai mis les trucs avec la couverture. C'est description de la couverture qui doit pas aimer. Non, mais c'est juste que mets pas de couverture parce que t'as pas de couverture dans ton dossier. Ben Il va te oui. dire, t'as dit, fais une couverture, mais il n'y a pas de couverture dans le dossier et tout ça. Alors il va te dire que c'est pas bon. Ouais. Juste avec un interpréteur. Voilà. Donc on refait release. Succeeded. Donc, que je retrouve. Il y a quand même un petit lien normalement dans la fenêtre de release, là, dans le result, qui permet de. Ouais. Mais sinon, c'est où tu avais sauvegardé ton projet. Voilà. Il y a un lien, mais il me dit, comment voulez-vous ouvrir? Ah non, mais là, il faut ouvrir le HTML. Normalement, il y a comme Ah oui, dans voilà. map une tab, un Play materials, H... machin. Play HTML, c'est ça? Ouais, celui-là. Ou l'index, tu peux aussi ouvrir l'index et puis après, comme. Mais ça revient même. Puis normalement, dans ton navigateur, tu auras une belle page. Alors. Voilà. On voit pas grand-chose. Voilà. Bon, tant qu'à faire. On va prendre toute la place. Voilà. Donc effectivement, on l'a bien sur Internet. Enfin, on peut le Et si jouer on est sur bon le... en. C'est ça. Et on peut personnaliser son apparence. Si tu es bon en développement web, bah, tu peux changer la police ou les Ouais, alors on n'en est pas là. couleurs. Mais on Donc a une du version coup... jouable en ligne, effectivement. Hein? Ouais. Donc Bah oui, là, on c'est peut ça. faire... Regardez le dromadaire. Rien de particulier, ça fonctionne. On va dans le désert. Oh, non, j'ai pas fait exprès d'appuyer. Dans le désert, mais c'est pas là que je voulais aller, moi. Je voulais aller dans la crypte. Voilà. Bon, bah ça fonctionne. Super. Si vous avez aimé ce premier contact avec la fiction interactive, grave. Voici d'autres ressources disponibles pour approfondir vos connaissances en InForm 7. Le manuel d'InForm, la ressource la plus complète à ce jour, est le manuel inclus avec InForm. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l'onglet Documentation. Alors attends, que je rebidouille mon truc.
Alors, l'onglet documentation. Il est là. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais et ne couvrira donc pas la traduction de la syntaxe et de toutes les instructions en français. À terme, le manuel devrait être traduit. Pour avoir la liste des correspondances français-anglais des instructions, un fichier PDF est disponible à la même adresse que l'extension française. Magnifique. On va aller le télécharger tout de suite. Oh, mais non! Ça l'ouvre pas dans un autre onglet. Bah, tu sais, c'est pas très grave. On va le faire plus tard. Ouais, non, mais parce que je sais que ils disent que c'est pas recommandé de faire ouvrir dans les autres onglets, mais moi j'aime pas quand ça me bousille ma Ben, c'est page. ouais. Si tu l'ouvres en cliquant sur la molette ou des trucs du genre, ça l'ouvre dans un nouvel onglet automatiquement. Ouais, avec le clic droit aussi, mais enfin, moi j'aime bien quand ça l'ouvre direct dans Ouais, je un autre comprends. onglet, que ça me bousille Moi, pas ma j'aime page. quand je peux contrôler. Oui! Oui, c'est mieux si t'as le choix, c'est vrai. Mais j'avais pas envie de perdre ma page en cours, enfin. Alors, la communauté anglophone. En anglais, il existe beaucoup plus de sites internet consacrés aux fictions interactives. Et la communauté francophone, bien évidemment, de nombreuses ressources sont disponibles en français. Vous trouverez sur ce site de nombreux articles concernant la fiction interactive et des personnes sont prêtes à vous aider sur notre forum ou sur Discord, où vous pourrez également présenter vos projets. Étendre les possibilités d'Inform. Si vous souhaitez étendre les possibilités d'Inform, de nombreuses extensions sont disponibles. Cliquez sur l'onglet Extensions, puis sur Public Library en haut à droite. Encore plus d'extensions sont disponibles à l'adresse suivante. Ne téléchargez pas les extensions sur le site d'Inform 7, elles ne sont pas à jour. Conclusion, nous espérons que vous avez apprécié ce tutoriel plutôt. En plus, moi j'ai la chance de le faire avec l'auteur, donc ça va, c'est cool. Restez à l'affût des prochains qui apparaîtront régulièrement sur le site et n'hésitez pas à nous communiquer vos remarques en commentaire. Par Twitch. Hein? Ou bien par Ou Twitch. par Twitch directement. Mais bon, ça c'est quand on est privilégié, hein, j'ai envie de dire. Alors du coup, maintenant qu'on est des bêtes sur une forme, genre, qu'est-ce que tu me conseillerais comme prochain tuto? Excellente question. Bah, il y a des tutos sur le site, là j'en ai fait d'autres. Si tu descends sur la page et tu cliques, il y a étiquette Inform 7, je pense. Ouais. Il y a des trucs à refaire un peu sur le Ah, il y site, a je d'autres pense. trucs de d'autres tutos de Inform parce que quand on fait créer, il y a Inform 7, Inform 6, Twine, Inc. Ouais, mais si tu cliques en bas de l'article, il y a marqué Inform 7. Ouais, et t'as tous les tutos directement qui Il y a tous les articles qui parlent d'Inform 7, oui. Bon, bah Et là, d'autres choses, ouais. il parle de Vorpal beaucoup. Oui, ben Vorpal, c'est un truc Inform, donc Ah d'accord. c'est nos derniers articles. En fait, il faut remonter un peu. Ah, et malheureusement, il y a aussi les jeux qui sont faits avec Inform 7. Ça, c'est un truc que je dois refaire sur le site. Comme c'est les articles qui parlent d'Inform 7 et les jeux qui ont été créés avec Inform Et 7 qui sont ben du disponibles coup sur pas malheureusement parce que ça peut être bien de voir justement ce qu'on peut le faire. site. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ça mélange, donc il faut faire un peu de recherche. Mais sinon, bah, c'est le prochain article, en fait, dans l'ordre chronologique, j'imagine. Ça, je l'ai toujours pas fait le truc de Stéphane, il faut que je le fasse. On fait un peu de publicité en même temps. Bah tiens, ça je l'avais commencé. J'avais commencé à y jouer. Et ouais, il y avait des bruits de gun et tout qui se rechargent là, des trucs de fusil à pompe et tout, c'était assez particulier. Ça bute de la sorcière. Ouais, c'était le gagnant du concours. Ouais. Oui. Donc oui, une bonne chose à faire. Mais... Donc ouais, du coup là, il y a plusieurs articles sur Inform pour approfondir. L'art de détruire pour reconstruire avec Inform. Ouais, bah, évidemment, plus ces articles sont récents, plus ils sont comme avancés, parce que bah, ils prennent pour acquis que tu sais déjà, quand tu as lu les articles Ouais. précédents. Donc,
Forcer le joueur à taper une commande précise. Qu'est-ce que la Z machine? Graham Nelson sur l'avenir d'Inform 7. Ouais, c'est l'auteur d'Inform. D'accord. Comme une nouvelle version est censée sortir à la fin, d'ici la fin de l'année. Ah, Inform 8. Ouais, non, ce sera malheureusement Inform 7 quand même, mais Ah. c'est assez compliqué, on va dire. Créer un jeu d'aventure des années 80 maintenant. Ça, c'est classe. C'est récent cette vogue du... Non, ça a toujours été le... Bah, il y a toujours, oui, il y a toujours, Cette et ça a espèce toujours de existé. nostalgie sur les premiers jeux. Ça a toujours existé, mais moi j'étais pas né, si ça fait que je peux pas ça te dire plus que ça. Ouais. Ah, et t'es, en fait, t'es un jeune. Oui, effectivement. Ben, j'étais pas là dans les années 80, donc voilà, Ah c'est ça. ouais, bah oui, ouais, moi j'étais petite, mais j'étais là. Ouais, parce que même le pixel art et tout, ça. Ouais, ben, Alors que c'est maintenant, le jeu c'est la. textuel. Ouais. Ouais, mais le jeu textuel de base, c'est quand même assez rétro. C'est, je veux dire. Oui. Bah c'est parce qu'il n'y avait pas les possibilités graphiques qu'il y a aujourd'hui. C'est ça, oui. Et c'est que récemment que ça a pris un tournant plus littéraire, en fait. Mais. Depuis des années comme 2000. Ouais. Bah oui, Ben, parce que récemment, quoi, maintenant, maintenant. c'est un support de création vachement intéressant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est marrant parce que avec les possibilités graphiques qu'il y a aujourd'hui, les gens sont quand même toujours attirés par les trucs rétro. C'est ça. Ben oui, c'est comme une partie nostalgie, je pense, et une partie, ça se vend beaucoup mieux, Ben ouais. étonnamment. Comme Parce tu que. peux vendre des jeux rétro qui marchent sur Commodore ou des trucs du genre, mais si je te dis que je vais faire un jeu Inform 7 sur mobile avec des effets cool et des images et tout, il y aura beaucoup moins de monde. Ouais. Y a un public, c'est plus difficile de toucher un public, surtout en français, on va dire. Ouais, bah écoute, Donc je sais c'est un pas peu quoi, c'est triste. du... Mais parce que la décennie, les années 80 ont vachement marqué, je sais pas si ça a marqué le monde ou juste la France, mais pour moi, c'est la meilleure décennie des années 80. C'est super kitsch comme décennie, hein, on est bien d'accord. Bah après, t'as pas Bah, connu, tu encore sais une pas, fois, c'est ça, j'étais mais... pas là. C'était bien, bien ringard comme décennie. Mais c'est ce qui la rend si sympa en fait. Bon, bah écoute, de toute façon. Et sinon, en logiciel, que je pourrais tester pour un prochain stream, par exemple. Moi, je pense faire Il de y toute a façon Twine. Twine, bah, c'est la base, mais je déteste Twine. Ok, Ouais. donc je le dis bien haut et fort. D'accord. On le note. Pour On plusieurs aime. raisons, mais... C'est quoi que t'aimes ouais, non, mais pas c'est dans bon. Twine? J'aime pas le fait que comment y ait plusieurs formats. Je sais pas si tu as déjà essayé de jouer un peu avec Twine, mais il y a Ouais, plusieurs formats je l'ai d'histoire. un peu utilisé, mais moi je prends le truc de base, quoi, parce que je sais qu'il y a Oui, ça, c'est trois. Ouais, il Harlow. y a Harlock. Harlow, Sugar Cube et Snowman, je pense. Ouais. Mais c'est ça. Puis si tu apprends à programmer dans un, ben la syntaxe pour programmer dans un n'est pas la même que pour les autres. Ouais, c'est pour ça. Et puis du coup, il y en a qui Et sont plus ça, j'aime pas ça. compliqués. Et j'aime pas ça parce que c'est stupide, en fait, que tu dois tout réapprendre alors que c'est le même Ouais, logiciel, en fait. c'est vrai que c'est un peu con. Et c'est compliqué pour les débutants, je trouve, en vrai, parce qu'il faut choisir, il y a la version 1 et la version 2 de Twine. Puis Ouais. après, il faut choisir entre les trois formats d'histoire différents. Enfin, tu vois, comme moi, je trouve ça un peu confus. Puis, c'est moins programmeur, si tu veux. C'est dans le sens que il y a des trucs que je préfère, en fait, finalement, faire ça dans un fichier texte que faire Ouais. ça avec une interface, les petits carrés. Mais surtout qu'il se Il y a veut mon côté. simple, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas aimé. Voilà. Il te fait l'arborescence et tout, donc c'est plutôt cool, mais du coup, oui, quand t'arrives et que tu vois qu'il y a les trois modes, les pages de doc et tout, là, tu te dis ça a l'air hyper compliqué, mais je pense que c'est quand tu veux aller plus loin que de faire juste une arborescence, Oui, quoi. c'est ça, mais ça dépend des gens. Voilà. Moi, c'est pas. Moi, j'aime bien Ink, mais Ouais, c'est un peu plus codeur. d'accord. Ben, j'aime beaucoup Ink. Donc ça, c'est. Moi, je dirais Twine ou Ink, honnêtement, pour les prochaines fois. Ouais, parce que bah j'ai déjà fait donc une soirée sur Moiki et franchement bah il met la dose à Twine hein, pour faire ce genre de.
Ouais, mais voilà, encore une fois, c'est français, puis c'est moins connu, ça a commencé, c'est récent, c'est nouveau, c'est quand même difficile. Ouais, mais du coup, pour faire un truc en arborescence, il est plus facile d'utilisation. Oui, moi j'ai trouvé très bien, honnêtement, et puis l'auteur est très gentil, donc ça Ouais, il est super accessible, disponible. C'est pareil, il était, bah, comme je t'avais dit la dernière fois, il était avec nous va. Ouais, pendant mais le live. je sais. Il avait bien dit comme sur notre Discord, on est Ouais, tous ouais, ouais. très, on est tous des gens très gentils, venez. Ben oui, venez, venez chez Fiction Interactive. Non, mais c'est cool parce que bah pour moi, ça me permet de pas bloquer. Et puis d'avoir les réponses aux questions qu'on peut se poser tout de suite, quoi. Bon, ben voilà. C'est ça. On n'a pas eu beaucoup de personnes à regarder, mais tant pis. Non mais c'est pas grave, bah moi je le fais avant tout pour moi, après s'il y a des gens qui regardent Oui, tant mieux, et si mais... personne regarde tant pis. Hein. Mais c'est bon, on a passé un bon moment, et puis parler d'Inform 7 auprès du public, un peu de prosélytisme, c'est bien. Mais oui, et puis là c'était le tuto, mais je pense que quand on va commencer à parler peut-être plus de jeux et de création de jeux, ça marchera peut-être mieux. C'est Parce sûr que que créer un là. truc inédit, mais si tu sais pas, si t'as pas l'habitude, tu vas faire juste plein d'erreurs et ce sera pas drôle. Donc bon, Oui, je pense qu'il faut que je me comme moi, familiarise un c'est peu sûr, hein, c'est avant mieux de le avec. faire. Moi, j'aimerais bien le faire aussi, mais en ce moment, j'ai pas les moyens de mettre en place un stream. Ouais. Ah, ce serait Ben, intéressant, hein. Quelqu'un qui sait le faire bien. Mais du coup, là, j'avoue, quelqu'un qui déboule et qui voit, qui prend le truc en cours, ça doit pas faire envie. Bon bah du coup c'est bon, on est arrivé au bout. oui. Je vais regarder pour télécharger le PDF dont tu parles dans le... Ou alors tu peux l'écrire en anglais, c'est pareil aussi. Tu sais, plutôt que dire machin, tu peux dire say machin, Ouais. puis c'est pareil. C'est comme tu préfères. Ok. Et ben on fera ça. C'est le PDF traduction phrase ou quelque chose, je sais plus. Mais... Ah oui. Mais oui, ça Traduction c'est au cas où tu phrase. veux lire la doc. Ouais, mais... Ah, we can't display view row, oui. Allez, je le prends à tout hasard. Si je vois que je m'en sers pas, eh ben c'est pas grave. Non, mais c'est bon. Mais la doc d'Inform est vraiment très bien. C'est comme un livre que j'ai lu 5 fois au moins, je pense. Ouais. Mais comme voilà, c'est en anglais, c'est long, c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Oui, et puis on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, alors mais je pense qu'en faisant un petit chapitre de temps en temps, ça passe, hein. Comme moi je sais pas Ah rester sur... oui, les... Oui. Non, ça, les premiers chapitres sont vraiment utiles. À la fin, ça devient un peu plus technique, genre, Ouais. comme... Ben, on voit, c'est comme Advanced, machin, c'est comme, c'est bien plus technique. Mais comme moi quand je fais un truc sur l'ordi, je sais pas rester 5 minutes sur le même onglet. Voilà, bosser sur un truc et puis aller à 5 minutes lire la doc sur une forme, ça se fait. Mais comme on a dit, sinon, il y a les tutos et on est disponible pour répondre aux questions. Hein. C'est ça. Encore mieux. Comme ça, si je bloque quand je m'y mettrai pour le concours justement 2021, et Ouais, ben si je on survit viendrai. d'ici là. Oui, si on passe l'année. Eh ben, je viendrai vous demander. J'ai une erreur, je comprends rien. Bon, bah écoute. Parce que pour Arrêtez, je moi, du pense. coup, il est presque minuit. Oui, je vois ça, je vois ça. Mais moi Donc. aussi, je suis fatigué, c'est quand même long, tu sais, je veux dire. Mais c'était bien, c'était bien. Oui, bah oui, puis du coup, pour toi, ça fait quand même 3 heures à m'écouter blablater. Ça doit pas être de tout repos. Non, mais c'est bon. Comme je dis, c'est pour le bien d'Inform 7, comme faut le faire. Ouais. Bon, déjà, je vais arrêter le stream.